Bonjour à tous ou encore bonsoir à tous, c'est selon. J'espère que vous allez bien, que le Seigneur soit béni. Nous allons passer un temps d'enseignement biblique, en même temps un temps d'évangélisation parce que ce message qui va être donné est aussi adressé aux non-croyants, est adressé à toutes ces personnes qui n'ont pas encore mis leur foi en Jésus-Christ. Donc cet enseignement aussi est pour eux. Donc c'est un enseignement aussi à but d'évangélisation. Voilà, parce que le but aussi c'est d'évangéliser. On peut enseigner la parole, tout ça, mais on doit aussi évangéliser les non-croyants. Donc c'est un message qui concerne tout le monde, les croyants, ceux qui sont convertis, ceux qui sont nés d'en haut, ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur. Et ça concerne aussi les non-croyants. Voilà, parce que le but c'est que le Seigneur se révèle à toutes ces personnes qui ne le connaissent pas. Voilà. Donc nous allons parler du culte des ancêtres. Nous allons parler de l'animisme. Nous allons parler de la spiritualité africaine. Voilà. À la lumière des Écritures. Voilà. Nous allons parler un peu de toutes ces choses parce que vous savez le culte des ancêtres, l'animisme ou encore la spiritualité africaine, c'est une prison qui retient beaucoup de personnes, surtout en Afrique, même dans nos familles. Nos familles sont prisonnières de beaucoup de rites, beaucoup de cultures. Nos familles sont prisonnières des traditions. Nos familles sont prisonnières de beaucoup de choses. En fait, le monde, comme dit la Bible, le monde est sous la puissance de l'ennemi. Donc nous allons parler de toutes ces choses, du culte des ancêtres, parce qu'on le voit aussi, chez les non-croyants. Que dit la Bible par rapport à tout cela? Parce que la Bible, c'est la référence, c'est la parole du Seigneur. Donc cet enseignement a pour but vraiment aussi d'apporter un éclairage, d'apporter de la lumière, la lumière des Écritures, pour que ceux qui ne croient pas au Seigneur, ils viennent à la foi. Voilà, parce que je vais prendre un passage, je voulais commencer par ce passage, le Seigneur dit... Dans le livre de Jean chapitre 3, verset 17, le Seigneur dit « Car Elohim n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son moyen. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique d'Elohim. » Donc vous voyez, la Bible dit que le Seigneur n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Donc le Seigneur n'est pas venu pour juger. Beaucoup de non-croyants, que ce soit dans nos familles ou ailleurs, beaucoup sont dans des traditions, dans des pratiques, dans des choses, tout ça. Nous ne devons pas les condamner, nous ne devons pas les maudire, mais nous devons leur présenter le moyen pour être sauvés. Nous devons leur présenter le salut. Parce que souvent, ceux qui ont ce zèle amer, parfois, il y en a qui condamnent surtout les non-croyants, ils les condamnent. « Oh non, mon père est dans la tradition, mon père est dans la franc-maçonnerie, ma famille, ils sont ancrés dans la sorcellerie, ils sont tout ça. » Mais le Seigneur est venu pour eux. Le Seigneur est venu pour eux. Le Seigneur est venu pour toutes ces personnes, pour les sauver. Quand la Bible dit que le Seigneur est venu pour sauver les âmes, mais on vient sauver des personnes qui sont perdues. Il faut bien que des gens soient perdus pour qu'il y ait un sauveur. Voilà pourquoi le Seigneur est venu. Donc nos parents qui sont dans nos parents, nos amis, en tout cas toutes ces personnes qui ne sont pas converties, qui sont encore dans des pratiques sataniques, qui sont encore prisonniers de Satan, qui sont encore dans des cultures, des traditions sataniques, qui sont encore dans le vaudou, qui sont encore dans le njobi, qui sont encore dans, ça c'est au Gabon, le bouti, qui sont encore dans il y a plusieurs rites sataniques là. Donc toutes nos parents, tout ça qui sont encore dans ces choses, nous devons prier pour eux parce qu'il y a la prière. Vous savez, c'est un combat spirituel. C'est vraiment un combat. Vous voyez souvent dans nos familles là. Vous voyez comment nos parents, souvent parfois nos grands-pères, nos grand-mères, elles sont ancrées dans des traditions ancestrales, tout ça. C'est des forteresses qui ne partent pas facilement comme ça là. Non, mais voilà pourquoi il faut prier pour nos parents. Il faut leur manifester de l'amour. Il faut leur manifester de l'amour. Même si ton père est sorcier, même si ta mère elle est sorcière, mais elle a besoin du salut. Le Seigneur est venu pour eux. Il a dit que ce ne sont pas les personnes en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Il dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais je suis venu appeler à la repentance des pécheurs.
Je suis venu à appeler à la repentance des pécheurs. Donc, la Bible dit que tous ont péché. Donc, nous sommes tous des pécheurs. Donc, le Seigneur est venu pour le salut, pour notre salut. Voilà pourquoi nous qui sommes convertis aujourd'hui, nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Donc, c'est ça. Donc, nous devons faire preuve de beaucoup d'amour, beaucoup de patience envers nos parents, envers toutes ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, envers toutes ces personnes qui sont dans des religions animistes, qui sont dans le culte des ancêtres, qui sont dans la spiritualité africaine, qui sont dans des religions, voilà, qui sont dans toutes sortes de religions. Donc, nous devons prier pour eux, nous devons manifester de l'amour. Nous devons manifester de l'amour. Donc voilà, donc nous ne sommes pas là pour condamner. Ce n'est pas parce que, par exemple, je prends un exemple, tes parents sont dans des pratiques bizarres, ils ont mis des croix à la maison, des croix bizarres à la maison. Toi, tu prends ces croix-là, par exemple, ou bien tu prends des trucs, tu prends les croix, tu vas casser ça, tout ça, leur insu. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ou bien ta mère a mis un chapelet au salon, elle a accroché sur le salon. Toi, tu vois le chapelet, tu prends, tu vas jeter comme ça le chapelet. Mais non, là, au contraire, ça va attirer des tensions dans la famille. Les vraies repentances, vous savez, les vraies repentances, quand il y a une vraie repentance, c'est en fait, quand le Seigneur touche une personne qui est dans l'idolâtrie, qui a des gris-gris, tout ça, là, cette personne même va prendre ses gris-gris elle-même, elle va les jeter ça. C'est ça les vraies conversions. Hein. Souvenez-vous du passage de Actes. Dans le livre de Actes, la Bible nous dit que ceux qui avaient été touchés par l'évangile, par la parole du Seigneur, la Bible nous dit qu'ils apportaient, tous ceux qui pratiquaient la magie, là, ils apportaient leur livre de magie, leur gris-gris, leur talisman, tout ça, ils apportaient ça pour brûler. Leur livre de magie, ils apportaient ça pour brûler. Vous voyez, c'est-à-dire que l'évangile a été prêché. Quand on annonce l'évangile, quand l'évangile est annoncé, là, ça produit des résultats, ça produit du fruit. Voilà pourquoi l'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile n'est pas une mauvaise nouvelle. Quand on présente l'évangile, c'est une bonne nouvelle qu'on annonce, la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle qu'il y a un sauveur. La bonne nouvelle, c'est de dire aux gens que malgré la vie que vous menez, malgré vos péchés, malgré tout ce que tu as commis de mal, il y a un sauveur, il y a quelqu'un qui est venu pour te sauver, pour te donner une nouvelle chance, pour te donner une nouvelle vie pour que tu sois un homme nouveau, il est venu te pardonner. C'est une bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Tu fais savoir aux gens que ce sont des pécheurs, mais qui ont besoin d'être sauvés. C'est une bonne nouvelle lorsque voilà, quelqu'un qui est prisonnier apprend qu'il peut être libéré de son addiction, de son péché. Parce qu'il y a des gens justement qui sont emprisonnés par exemple dans beaucoup de religions, dans beaucoup de pratiques occultes, mais qui veulent sortir mais ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas, donc nous ne devons pas venir les condamner, mais nous devons venir présenter l'amour. Donc c'est ça justement le but de ce partage, de cet enseignement que nous allons avoir. Nous allons parler de toutes ces choses afin que tous ceux qui sont encore dans la pratique du culte des ancêtres, qui sont encore dans la net, qui sont des animistes, qui sont dans l'animisme, tous ceux qui sont dans les spiritualités africaines, tous ceux qui sont dans le culte des morts, le culte des reliques, tout ça. Le but de cet enseignement-là, c'est quoi? C'est de présenter la lumière. Yeshua, Hamashiach, Jésus-Christ, c'est de présenter la lumière, c'est de leur dire tout simplement que... ben, Vous êtes dans un mauvais camp, le camp des ténèbres, le camp de... voilà. En fait, vous êtes prisonnier et vous avez besoin d'un sauveur. C'est ça le but de l'enseignement. Vous avez besoin d'un sauveur qui est capable de vous sortir. Qui est capable de vous sortir de cette prison parce que la Bible dit que le Seigneur est venu nous délivrer de la puissance des ténèbres. Donc, c'est ça le but de cet enseignement. Voilà pourquoi le Seigneur il n'est pas venu dans ce monde pour juger le monde, mais pour le sauver. Et on va prendre aussi un passage dans 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 18. Le Seigneur dit, la Bible dit ici, « Sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre que vos ancêtres vous avaient transmise, mais par le sang précieux du Mashiach comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné, en effet, avant la fondation du monde est manifestée dans les derniers temps à cause de vous. » Donc, vous voyez, la Bible nous fait comprendre que nous, étant maintenant convertis, la Bible dit que ce n'est pas par des choses corruptibles comme de l'argent ou l'or que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre. Donc, lorsque nous étions dans le monde, ceux qui sont dans le monde, ils ont une vaine manière de vivre. La Bible dit, sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre que vos ancêtres vous avaient transmise. Vous voyez? Donc,
Il y en a leur façon de vivre aujourd'hui. Je parle par exemple des non-croyants. Il y en a leur façon de vivre aujourd'hui leur a été transmise de génération et de génération en génération par leurs ancêtres. Vous voyez qu'il y a des gens, souvent ils sont dans des pratiques, ils sont dans des cultures bizarres, ils sont dans des traditions bizarres. En fait, ce sont des choses qu'ils ont héritées de leurs ancêtres. Ce sont des choses qui ont vraiment traversé des siècles de génération en génération jusqu'à eux. Voilà pourquoi il y en a qui sont beaucoup attachés aux ancêtres, au culte des ancêtres. Il y en a qui, quand ils prient, tout ça, ils bénissent les ancêtres. Oh, vraiment, le Dieu des ancêtres, merci à mes ancêtres, merci. Vous voyez, ce sont ces choses qu'ils ont héritées de leurs ancêtres. Donc, vous voyez qu'il y a besoin, il y a besoin de présenter l'évangile pour que ces personnes, voilà, pour que ces personnes soient délivrées. Et voilà pourquoi la Bible dit que maintenant, lorsque le Seigneur te délivre de la puissance des ténèbres, il te délivre de ta vaine manière de vivre que tu as héritée de tes ancêtres. Donc, les ancêtres nous ont, lorsqu'on était dans le monde, les ancêtres aussi, nos ancêtres nous ont transmis un mauvais héritage, une mauvaise façon de vivre. Nos ancêtres, ils nous ont transmis aussi des faux cultes. Parce que nos ancêtres adoraient aussi, ils adoraient des faux dieux, ils adoraient des idoles, tout ça. Donc, c'est ce qui a été transmis jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a des familles qui sont enracinées dans le culte des ancêtres, qui sont enracinées dans le culte des idoles, dans le culte des bois, dans le culte des statues, dans le tout ça, c'est hérité des ancêtres. Vous voyez, c'est vraiment un héritage. Ça vient vraiment des ancêtres. Voilà pourquoi justement, le Seigneur dit maintenant que lorsque le Seigneur maintenant nous sauve, étant maintenant une nouvelle créature, nous sommes délivrés de cette vaine manière de vivre, de cette vaine manière d'adorer. C'est-à-dire, nous sommes délivrés des faux cultes. Le Seigneur nous a délivrés des faux cultes, de notre vaine manière de vivre que nous avons hérité. Donc, ça veut dire qu'il y a des mauvaises adorations, il y a des fausses adorations, il y a des adorations des idoles, il y a des faux cultes. Donc, les faux cultes qui sont pratiqués aujourd'hui, dans beaucoup de religions, dans beaucoup de traditions, dans beaucoup de cultures, ce sont en fait des faux cultes qui sont hérités, je dirais, des ancêtres. Ce sont des cultes hérités des ancêtres. Il y a beaucoup de familles africaines qui sont ancrées dans le culte des ancêtres, dans le culte des morts, tout ça, tout simplement parce que ce sont des choses qu'ils ont héritées, ce sont des héritages. Vous allez voir qu'il y a souvent des personnes dans des familles, surtout en Afrique, il y a des personnes qui vont vous dire « Moi, si j'adore le bois, c'est parce que mon arrière-grand-père était un grand adorateur de bois. Si j'adore la sitar, si j'adore telle chose, c'est parce que ma grand-mère faisait ça, parce que mon... » Vous voyez, ce sont des choses que les gens ont héritées. Donc, vous voyez que quelque chose qui a été hérité depuis des siècles, mais ça ne va pas tomber facilement comme ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas être délivré facilement comme ça. Tu as besoin, ces personnes-là ont besoin vraiment d'entendre le message de l'évangile. En fait, il n'y a que le Seigneur qui peut libérer les personnes de ces emprises qui les tiennent captifs depuis des générations. Il n'y a que la puissance de l'évangile, la puissance de la parole. La puissance de la parole. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il dit, le Fils de l'homme est venu pour libérer les captifs. Libérer les captifs, oui, parce que nous avons été, le Seigneur aussi nous a délivrés de notre vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos ancêtres. Il y en a qui vont dire aujourd'hui, moi si je suis polygame, j'ai 5 femmes, c'est parce que mes ancêtres étaient aussi des polygames, mon grand-père était polygame, ma grand-mère, mon arrière-grand-père polygame, tel ancêtre polygame. Vous voyez, des générations en génération, quand on remonte, il y a eu de polygamie. Quelqu'un va vous dire, moi si je suis j'aime l'adultère, c'est parce que mes ancêtres aimaient ça. Vous voyez, donc il y a des comportements aujourd'hui que les gens ont dans le monde qui sont hérités de leurs ancêtres. Voilà pourquoi la Bible dit que, sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, que vos ancêtres vous avaient transmises. Donc, nos ancêtres nous ont transmis un mauvais héritage. Nos ancêtres nous ont transmis un mauvais héritage. Dans des familles, il y a des familles qui adorent, il y a des régions en Afrique. Certaines régions africaines, un peu partout, en tout cas dans le monde. Voilà, des régions où les gens adorent, par exemple, des crânes. Ils adorent des crânes, ils adorent des statues, tout ça. Donc, ce sont des choses que les gens ont hérité de leurs ancêtres. Donc, leurs ancêtres leur ont transmis ça de génération en génération. Donc, leurs ancêtres adoraient des faux dieux et l'adoration des faux dieux de ces ancêtres-là, ils ont transmis ça. Ils ont transmis ça. Donc, vous voyez que c'est des chaînes, c'est des liens que le Seigneur brise. Et lorsque tu es converti, lorsque le Seigneur se révèle à toi, tu es libéré. Le Seigneur te délivre. Tu n'as plus besoin de passer par une cure d'âme.
où on va remonter, on va... Non, la puissance de la croix est tellement... Elle est glorieuse, elle est puissante pour nous rendre libres totalement. Donc le Seigneur nous délivre une fois pour toutes. La Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous transférer, nous transporter dans le royaume, dans son royaume. Donc le Seigneur nous a délivrés. Voilà pourquoi la Bible dit que rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc ce transfert-là est spirituel, ça s'est fait dans l'esprit. Le Seigneur t'a délivré. Il t'a délivré, c'est fini. Il t'a délivré des liens familiaux, il t'a délivré des liens ancestraux, tout ça, tu es délivré. On n'a plus besoin de te dire, non, bon, tu es encore lié, il y a encore un truc de ton ancêtre, tout ça. Non, si vraiment tu es converti, une personne qui est réellement convertie, née de nouveau, née d'en haut, il est délivré. Il est délivré. Donc, plus besoin de cure d'âme. Tu n'as plus besoin de cure d'âme pour qu'on te remonte encore de génération en génération. Tu n'as plus besoin de relations d'aide. Tu n'as plus besoin de psychothérapies, les psychanalystes, tout ça. Plus besoin, c'est fini. La cure d'âme, la relation d'aide, la psychologie, la psychothérapie, la psychanalyse, tout ça là, ce sont des fausses doctrines. Ce sont des fausses doctrines. Le Seigneur nous a affranchis de tout fardeau. Il t'a affranchi de tout fardeau. Il t'a affranchi de tout péché, de tout lien. Donc si tu ajoutes la cure d'âme, si tu ajoutes les relations d'aide, toutes ces choses, ça veut dire que le Seigneur n'est pas puissant. Ça veut dire que le sang qui a coulé à la croix n'est pas assez puissant. Non. Le Seigneur nous a affranchis de tout fardeau. Tu es délivré là, c'est fini. La Bible dit que tu es délivré de la vaine manière de vivre que tu as hérité de tes ancêtres. Tu es délivré de la vaine manière de vivre que tu as hérité de tes ancêtres. Tu es délivré par quoi? Par le sang précieux du Mashiach. Le Seigneur t'a rendu totalement libre. Donc toutes ces doctrines-là, toutes ces choses-là, cure d'âme, relation d'aide, tout ça, c'est tout simplement pour vous lier aux hommes. Voilà, c'est pour vous lier à des hommes, à des thérapeutes, à des... Voilà, pour que vous soyez dépendants d'eux. Alors que le Seigneur dit, la Bible dit que si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc notre passé est effacé par le Seigneur. Et c'est effacé uniquement grâce au sacrifice qu'il a accompli à la croix. Il nous a totalement libérés de toutes ces choses, de toutes les cultes des ancêtres que tu pratiquais. Il t'a délivré de la spiritualité africaine, il t'a délivré de l'animisme, tout ça. Il t'a rendu totalement libre. Il nous a délivrés de tous ces jougs-là, de toutes ces coutumes, ces traditions, ces spiritualités africaines, ces spiritualités européennes, asiatiques, tout ça, les religions bizarres, tout ça. Le culte des ancêtres, le culte des morts, le Seigneur nous a totalement libérés. Voilà pourquoi justement la Bible ne fait pas mention d'une cure d'âme. La Bible ne fait pas mention des relations d'aide. Vous voyez? Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Luc chapitre 8, à partir du verset 35, concernant le fou de Gadara, la Bible nous dit qu'après sa délivrance, le possédé de Gadara, il était près du Seigneur. Vous voyez? Après sa délivrance, il était près du Seigneur. La Bible dit qu'ils ont trouvé l'homme, cet homme-là qui était possédé là, ils l'ont trouvé assis, il était bien vêtu dans son bon sens, donc il était totalement délivré, il était maintenant près du Seigneur. Voilà, donc c'est comme ça que le Seigneur nous délivre. Donc tout ce qui est cure d'âme, tout ce qui est relation d'aide, tout ce qui est psychanalyse, tout ça, en fait, ce sont des fausses doctrines. Ça te fait croire que ben, tu es toujours asservi par ton passé. Ça te fait croire que tu es toujours, tu es toujours lié, tu es toujours tout ça, alors que le Seigneur t'a délivré. Donc toutes ces choses-là, cure d'âme, toutes ces trucs-là, en fait, ça diminue la puissance de la croix. Ça diminue la puissance de la résurrection. En fait, ce sont des choses qui te privent de donner la première place au Seigneur. Ce sont des choses qui vont te priver. En fait, par ces choses-là, tu vas penser que le Seigneur n'est pas puissant, qu'il n'est pas capable de te rendre libre. Donc, tu dois comprendre qu'étant converti, réellement converti, selon la Bible nous dit que nous sommes réellement délivrés des liens familiaux, des liens ancestraux. Nous sommes réellement délivrés. C'est vrai que nous sommes délivrés, mais il faut savoir quand même que tu auras à lutter contre tous ces esprits-là. Voilà, le combat n'est pas fini. Tu auras à lutter contre tous ces esprits, tu auras à lutter contre toutes ces forteresses-là, toutes ces choses. Il y aura toujours cette lutte. Voilà, mais nous sommes délivrés. Voilà, la chair sera toujours là pour vouloir t'embêter. Tu auras un combat aussi dans la chair. Tu auras un combat aussi contre beaucoup de ces esprits, tout ça. Voilà pourquoi la Bible nous dit que le combat n'est pas charnel, mais il est spirituel. Et le combat que tu auras ou que tu as avec tous ces esprits-là, ce n'est pas un combat entre toi et ces esprits-là. Voilà, le combat, il est spirituel. Ce n'est pas toi, c'est le Seigneur qui est en toi. Voilà, c'est le Seigneur qui est en toi qui te donne la victoire. Et l'arme que le Seigneur nous a donnée, c'est la prière. L'arme que le Seigneur nous a donnée, c'est la parole.
Donc les chrétiens qui cherchent leur cure d'âme pendant des années là, pour parvenir à la délivrance, ben franchement, ces chrétiens-là ont tout simplement besoin de délivrance. Donc, nous allons revenir à notre sujet principal. On va regarder ensemble un reportage, une série de reportages, voilà, sur le sujet dont nous parlons. Et vous allez voir un peu toutes ces pratiques-là que le Seigneur condamne, toutes ces pratiques-là que le Créateur, celui qui a créé l'être humain, le Créateur condamne. Vous allez voir toutes ces pratiques que le Créateur dénonce. Et je prie que, voilà que toi qui certainement est encore aveuglé, toi qui certainement est encore prisonnier de ces choses, ma prière c'est que le Seigneur t'en délivre, que le Seigneur délivre nos familles, nos parents, nos amis, que le Seigneur délivre toutes ces personnes qui sont encore sous cette emprise. Nous allons regarder ensemble ce reportage juste pour quelques minutes. Voilà, vous allez voir ce que le Créateur, celui qui a créé les cieux et la terre, vous allez voir toutes ces choses qu'il condamne. Voilà, vous allez voir l'idolâtrie qu'il condamne, vous allez voir toutes ces pratiques qu'il condamne. Voilà, donc nous allons regarder ensemble juste pour quelques minutes ce reportage et on se revoit dans quelques minutes. Le lendemain, au petit matin, Raymond est en tête d'une procession réunissant tous les membres de sa famille. En réalité, la fête commence un jour avant la date officielle, presque dans le calme et dans l'intimité. Avant que ses invités ne soient là, la famille se réunit car elle doit s'annoncer auprès des ancêtres. Raymond m'invite dans la procession. Symboliquement, chaque groupe familial a empaqueté des cadeaux qui seront remis aux enfants de la famille. On descend avec les paquets pour les distribuer aux aînés de la construction. Parce qu'on fait le funérail de la mère de mon papa, donc je suis son juste soeur. Maintenant, là, il faut que je descende avec les paquets, je les distribue au fils de la construction. Avant de commencer maintenant les différentes danses. Pendant que les danses continuent, Raymond m'invite à le suivre discrètement. Nous nous éclipsons vers un endroit secret de la maison, réservé à certains, la fameuse case sacrée. Quelques instants plus tard, je me retrouve avec lui, face à ses ancêtres. Dans l'obscurité, en silence, Raymond commence par se recueillir, avant de leur parler. Mes pères, je suis mot-chrétien. Je suis venu célébrer les obsèques de ma mère et aussi les funérailles de Guédon Chrétien, mon père. Je suis son successeur. Ces funérailles n'avaient pas encore été faites. Alors je suis venu vous dire que j'organise votre fête. C'est sur vous que Dieu a posé la terre, avec laquelle il nous a créés. C'est ce que je suis venu vous dire. Où on est exactement ici? Ici, c'est le crâne de nos grands-parents. Mm-hmm. Oui, vous savez que ici, là, en pays bamiléké, surtout chez nous, ici à Bafou, la coutume, on demande qu'après l'enterrement d'un membre, après quelques années, on doit enlever son crâne parce qu'on dit que les morts ne sont pas morts. Mmh. Chaque fois, il faut venir ici faire des prières pour venir ici les vénérer, oui, pour demander la bénédiction. Parce qu'on suppose que ceux qui sont partis sont à côté de Dieu et qu'ils peuvent intercéder pour nous. Comment tu te sens à chaque fois que tu rentres dans cette pièce? Effectivement, quand je rentre ici là, il y a un sentiment qui, je parle de sentiment, il y a un sentiment qui m'habite, qui me dit que tu es déjà avec ceux, parce qu'il y a même ici ceux que je n'avais pas vus, mais que je suis en train de voir, ne serait-ce que le crâne, je pense que je suis avec eux et que je peux demander beaucoup de choses à ceux-là. Tu as l'impression qu'ils sont toujours là et que tu te reconnectes avec ta famille? Bien sûr. Chaque fois que je rentre ici, je sais qu'ils sont avec moi. Parfois même, en voyageant, on vient faire des petites prières pour demander qu'ils nous accompagnent,
qu'ils intercèdent auprès de Dieu pour nous. Et t'as déjà senti des choses bouger après passer ici? Exactement, il y a beaucoup de bienfaits, il y a même les maladies. Certaines maladies qu'on n'arrive pas à guérir, après avoir été ici, on rentre, on trouve même le remède. Est-ce qu'il arrive que durant la nuit, ou que vous ayez des signes durant la journée de vos ancêtres? Effectivement, il y en a. Parce qu'il y a des choses qu'ils nous parlent dans les rêves et que le lendemain, on les voit. On voit que c'était une manière de transmettre des messages. Oui. Pour vous aussi, dans le futur, vous vous imaginez avec votre crâne posé ici? Ça serait une fierté? Pas de problème, parce que j'ai hérité ça des autres. Il faut que la tradition se transmette. Dans l'Église catholique, le culte aux morts est pratiqué de différentes manières, telles que la vénération des reliques, la prière aux morts et la prière pour les morts. Les reliques, du latin reliquia, reste, sont les restes matériels qu'a, ou qu'aurait, laissé derrière elle une personne vénérée en mourant, soit des parties de son corps, soit d'autres objets qu'il a ou avait, pour certains croyants, sanctifiés par son contact. Le mot relique signifie littéralement ce qui reste et qui était employé en particulier pour désigner le cendre ou le corps d'un mort. En français moderne, il n'est plus employé pour désigner le corps des saints, une partie de celui-ci, des objets qu'ils ont utilisés auxquels l'Église rend un culte. Il peut aussi désigner un objet qu'un saint a utilisé. Les reliques, pour des raisons évidentes de sécurité, ne sont pas exposées telles quelles, mais contenues dans une boîte appelée reliquaire, souvent vitrée pour qu'on puisse l'apercevoir. Un reliquaire est un réceptacle, généralement un coffret, destiné à contenir une ou plusieurs reliques. En effet, c'est l'un des traits le plus caractéristique du catholicisme romain de consacrer des reliques partout, s'ouvre une chapelle, ou se construit une église, il y manque quelque chose si des reliques n'y sont pas présentes pour sanctifier ce lieu. Le culte des reliques est entré dans le catholicisme dès le IVe siècle, pour atteindre un sommet dans leur vénération au XIIe et XIIIe siècle. Pourtant, la Bible, la parole de Dieu, nous affirme que c'est l'œuvre du diable de vouloir plonger les hommes dans l'idolâtrie des reliques. Le culte des reliques est le fondement de ces nombreuses pèlerinages que les dévots catholiques font dans le monde entier. Que ce soit vers Saint-Jacques de Compostelle ou vers le Saint-Sépulcre de Jérusalem, les pèlerins voient là une manière d'obtenir des grâces particulières de la part de Dieu. Combien ces pratiques sont contraires à l'affirmation biblique que le sang de Jésus-Christ, le seul capable de nous purifier de tout péché. La Grèce ancienne connaissait déjà les croyances superstitieuses aux reliques, et surtout aux ossements des héros déifiés, qui constituent des formes de piété très populaires. Ces cérémonies sont vraiment des actions abominables, beaucoup d'églises, particulièrement les anciennes et les grandes cathédrales, étaient construites sur des anciens lieux païens, entourés de cimetières des soi-disant personnes importantes. Les églises et les cathédrales catholiques sont pleins de reliques, c'est-à-dire les dépouilles mortelles décomposées des soi-disant saints. Il ne faut jamais vénérer les dépouilles mortelles des soi-disant saints, le concept même de saint défunt est complètement erroné. Une relique, c'est un objet qui a été au contact avec un saint, ou bien un fragment du corps du saint. Et du coup, on va vénérer un os, un tibia, un crâne, une phalange, qui vient d'un corps saint, ou bien un vêtement qui a été en contact avec lui. Pour voir ou toucher une relique, les hommes et les femmes du Moyen-Âge doivent payer. Et ils sont prêts à dépenser sans compter. Alors peut-être le plus difficile pour un esprit contemporain, relativement au Moyen-Âge, est-il de comprendre l'importance absolument capitale, gigantesque, des reliques. Les reliques constituent une manne considérable pour l'Église, qui l'a bien compris et qui va parfois abuser de leur pouvoir de séduction. La relique, on la promène solennellement, on en fait payer chèrement l'accès quand il le faut, mais surtout, malgré tout, on la montre à tout le monde. Du plus humble serf jusqu'au roi de France, tout le monde doit voir, voir pour croire. L'Église va même s'adonner à de troublantes dérives.
L'Église a parfaitement compris le pouvoir des reliques et il n'est pas interdit de penser qu'elle s'est laissée parfois aller à des pratiques dangereuses, voire interdites. Quelles pratiques et pour quelles raisons? Pour le comprendre, il faut déjà saisir l'aura des reliques auprès des fidèles. Tout commence par le pouvoir qu'il leur prête. L'évêque va en jouer de façon maximale. Au point que pour construire une cathédrale, il faut une relique. Capable d'accomplir des miracles, elle garantirait également une vie meilleure dans l'au-delà. Embrasser une relique, ce n'est pas tant embrasser un objet qu'embrasser le saint qui est derrière. Lui qui est à côté du trône du Père Céleste. Et donc, espérez profondément que ce saint va vous introduire plus facilement à l'éternité. L'homme du Moyen-Âge a des angoisses. Il est effrayé par la maladie, par la mort, par les guerres. Pour lui, toucher une relique, embrasser une relique, c'est pouvoir accéder à la possibilité d'être sauvé de ses maladies et de l'enfer. Le raisonnement des fidèles est simple. Si un saint peut faire des miracles, un fragment de son corps, de sa tunique, ou même un simple objet qu'il utilisait peut le faire aussi. Alors, pour espérer en bénéficier, ils sont prêts à parcourir des centaines de kilomètres et à payer le prix fort. Et de son côté, l'Église fait tout pour satisfaire les pèlerins. On va organiser des cérémonies autour des reliques pour susciter les dons. Dans toutes les églises, on va voir apparaître des reliques qui seront savamment mises en scène. Ça va attirer les pèlerins, ça va permettre de pouvoir récolter des dons et de remplir les caisses de l'église. Ce pouvoir d'attraction est une véritable bénédiction. Et les évêques, quand ils projettent de construire une cathédrale, savent qu'ils ont la solution pour financer les chantiers. Pour les évêques bâtisseurs de cathédrales, ces reliques sont une aubaine. Elles permettent de récolter un maximum d'argent pour la construction de l'édifice. Encore faut-il avoir la bonne relique. La bonne, ou plus exactement, celle qui fera venir le plus de monde. Le dieu Ganesha est l'une des divinités les plus vénérées d'Inde. Malheureusement, de véritables éléphants sont utilisés pour cette dévotion populaire. Ce mâle domestiqué va passer plusieurs heures debout dans un temple. Moyennant quelques roupies qu'il attrape avec sa trompe, l'éléphant bénit les pèlerins. Symbole de la chance, de la force et de la stabilité, Ganesha est souvent associé à la déesse Lakshmi, divinité de la richesse et de la prospérité. C'est une attraction très prisée dans le sud de l'Inde et une source de revenus pour les Cornac. Voilà, vous avez vu toutes ces pratiques animistes, toutes ces pratiques que le Seigneur condamne, toutes ces pratiques. Vous savez, quand le Seigneur regarde ces choses, quand il voit ces choses, son cœur est mal. Voilà, son cœur est mal parce que vous savez, le Seigneur a créé l'être humain, c'est pour l'adorer, c'est pour le glorifier. Et quand vous voyez comment les hommes s'adonnent à toutes ces pratiques, à tous ces cultes des faux Elohim, ces faux dieux, à toute cette idolâtrie. Quand le Seigneur voit toute cette idolâtrie, il est en colère. Le Seigneur est en colère. Voilà pourquoi la Bible dit que le Seigneur ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il annonce à tous les êtres humains, à tous les hommes, en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Le Seigneur appelle toutes ces personnes à la repentance. Il ne veut pas condamner, il ne veut pas juger, mais il veut sauver. Le Seigneur est venu pour sauver. La Bible dit que le Seigneur est venu pour sauver les hommes. Il a dit, la Bible nous dit, il ne tient plus compte des temps d'ignorance. Donc le Seigneur condamne toutes ces pratiques animistes, ce culte des morts. C'est quoi l'animisme? On va parler aussi un peu de l'animisme. En fait, l'animisme, en fait, c'est la croyance en fait que toutes choses, comme par exemple les animaux, les plantes, les pierres, les montagnes, les rivières, tout ça, les étoiles, ont une âme, ont aussi un esprit.
Vous voyez, ils croient que toutes ces choses-là ont des esprits puissants et donc ils peuvent les invoquer, ils peuvent les prier, ils peuvent leur demander des services. En fait, les adhérents de l'animisme adorent les animaux, ils adorent les étoiles, ils adorent les idoles, ils pratiquent le spiritisme, ils pratiquent la sorcellerie, ils pratiquent la divination, ils pratiquent l'astrologie depuis des milliers d'années. Donc les pratiques animistes, là justement, ils ont recours à la magie, ils ont recours aux sorts, ils ont recours aux enchantements, ils ont recours aux amulettes. Vous voyez, tout ce qui ont recours aux amulettes, tout ça, ce sont aussi des pratiques animistes. Tout ce qui ont recours aux amulettes, tout ce qui ont recours aux talismans, aux charmes, à toutes ces choses-là. Toutes ces choses qui peuvent les protéger contre les esprits mauvais. Donc si tu as des idoles, des gris-gris, toutes ces choses-là qui peuvent te protéger, soi-disant, comme contre des esprits mauvais, en fait, tu es animiste, tu es dans la pratique de l'animisme. Et dans beaucoup de religions, on retrouve des éléments d'animisme, dans par exemple l'hindouisme, même chez les mormons, on retrouve beaucoup d'éléments d'animisme. Dans beaucoup aussi des sectes, les sectes du Nouvel Âge, on retrouve beaucoup d'éléments d'animisme. Donc, beaucoup de ces fausses religions enseignent que l'esprit de l'homme est divin. Vous voyez? Donc, ils enseignent que l'esprit de l'homme est divin et il faut développer cet esprit divin-là en nous pour devenir des dieux. Donc, vous voyez que c'est un mensonge de Satan. Depuis le jardin d'Éden, lorsqu'il a tenté Adam et Ève, la Bible nous dit qu'il a dit à Adam et Ève que vous serez comme des dieux. Vous serez comme des Elohim. Vous voyez? Alors que la Bible nous dit clairement qu'il n'y a qu'un seul Elohim, l'Elohim véritable. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il y a un seul. Donc toutes les religions qui enseignent qu'il y a plusieurs dieux, plusieurs Elohim, ben, il faut savoir que ce sont des fausses religions. Voilà. Et même quand vous lisez les Écritures, hein, la Bible ne nous parle pas de trois dieux, le Père, le Fils, le Saint-Esprit ne font pas trois, mais c'est un. L'Elohim est un, il n'est pas trois, il est un. Donc vous voyez que les pratiques animistes sont aussi interdites par la Bible, sont interdites. Celui qui nous a créés, le créateur de toutes choses, interdit les pratiques animistes. Il interdit les pratiques animistes. Si vous lisez par exemple Lévitique chapitre 20 à partir de verset 27, le Seigneur dit, la Bible dit ici que si un homme ou une femme en lui a en lui l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, il sera puni de mort. On le lapidera, son sang retombera sur lui. Donc le créateur de toutes choses, celui qui a créé les cieux et la terre, il interdit, il condamne les pratiques animistes. Donc c'est interdit aussi par la Bible. Les Écritures nous parlent aussi de ces pratiques animistes-là qui sont interdites. Donc le Seigneur condamne. Si vous lisez Lévitique chapitre 20, à partir du verset 27, la Bible dit que si un homme ou une femme a en lui l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, il sera puni de mort. On le lapidera, son sang retombera sur lui. Donc le Seigneur veut libérer tous ceux qui sont dans des pratiques animistes. Il veut les libérer. Il condamne ces pratiques animistes, mais il ne condamne pas les hommes. Il veut les sauver. Il veut les sauver. Il condamne leurs pratiques animistes, leurs péchés, mais il veut les sauver. Il veut les libérer. Donc vous voyez que l'animisme n'est qu'une ruse de Satan. Satan, c'est le père du mensonge. La parole du Seigneur condamne aussi le culte des ancêtres. Le culte des ancêtres. La parole condamne aussi cela. Le créateur de toutes choses condamne aussi cela, le culte des ancêtres. Donc si tu pratiques le culte des ancêtres, sache que celui qui t'a créé, il veut te libérer de ce culte des ancêtres. Il veut te rendre libre. Il veut te rendre libre. Il ne veut pas te juger, mais il veut te sortir, te libérer du culte des ancêtres. Oui, parce que le culte des ancêtres, c'est une prison. L'animisme, c'est une prison. Ce sont des prisons. La spiritualité africaine, là, ce sont des prisons. Certains vont dire, oh, mais toi, tu es un aliéné, tout ça, machin, c'est la colonisation, tout ça qui vous en fait ça, vous avez régné vos cultures, vos traditions, tout ça. On est habitué à vivre, à entendre toutes ces paroles-là. Mais je le redis, la spiritualité africaine, toutes ces pratiques sataniques-là, tout ça, ces cultes vaudous, ces cultes, tout ça, ça vient de Satan. Voilà. Ça vient du diable, c'est ce qu'il faut dire, c'est la vérité, ça vient du diable. Ce n'est pas le créateur, celui qui a créé les cieux et la terre, ce n'est pas lui.
Ça ne vient pas de lui, ces choses, les pratiques païennes, les messes de Requiem, le culte des ancêtres, toutes ces choses-là, en fait, c'est satanique, en fait. C'est satanique. C'est le mot qu'il faut, c'est satanique. Ça ne vient pas du créateur de toutes choses. Ce sont des choses qui ont été héritées de nos ancêtres, tout ça. C'est hérité des ancêtres. Ça ne vient pas du créateur. Voilà pourquoi tu dois arrêter le culte des ancêtres. C'est des liens, c'est des chaînes. Tu pratiques le culte des ancêtres certainement depuis des années, de génération en génération. Dans votre famille, vous faites ça, c'est des chaînes. Mais le Seigneur est venu vous libérer de ces chaînes-là. Donc, faites attention au culte des ancêtres. Donc, fais attention, parce que là, je m'adresse à tout le monde. Hein. Je m'adresse beaucoup plus aussi aux non-croyants, voilà, à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui ne l'ont pas rencontré. Donc, je m'adresse aussi à eux. Voilà, parce que ce message aussi est adressé à toutes ces personnes qui ne connaissent pas l'Évangile. Voilà, nous avons aussi pour objectif de présenter l'Évangile, de présenter la solution. Voilà, la solution pour être délivré du culte des ancêtres, de toutes ces pratiques occultes-là. La solution, c'est Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la solution. Donc, le culte des ancêtres, c'est une prison. C'est vraiment une prison aussi où le Seigneur est venu libérer les gens aussi du culte des ancêtres qui est pratiqué dans beaucoup de religions, dans beaucoup de familles, le culte des ancêtres. Vous voyez des personnes qui sont déjà décédées, on leur fait encore des offrandes, on fait des prières, tout ça, le culte des morts là, tout ça, c'est ça aussi le culte des ancêtres, le culte des morts. Parce que le culte des ancêtres, ça implique des prières, ça implique des offrandes aux esprits des ancêtres défunts, donc vous donnez des offrandes aux esprits. Vous donnez des offrandes, vous faites des prières aux esprits des morts. C'est un culte des morts. Les messes de Requiem, tout ça, c'est le culte des morts. Parce que vous faites des prières, ce sont des prières des morts, des prières pour les morts. Donc vous attirez les esprits de mort aussi. Et le culte des ancêtres, justement, on le retrouve dans beaucoup de cultures, à travers le monde, dans beaucoup de cultures. Si vous allez même en Amérique latine, au Mexique, là-bas, oh là là, là-bas, c'est pas la peine. Là-bas, c'est le culte des morts. Il y a même des célébrations de la fête des morts. Il y a même les célébrations où dans chaque famille, ils ont des crânes, tout ça qu'ils exposent. Ils ont des crânes en jouets, tout ça. C'est vraiment l'esprit de mort. Vraiment, couvre beaucoup de nations. Hein. L'esprit des morts couvre beaucoup de nations. Et le culte des ancêtres, là, c'est vraiment une prison terrible. Une prison terrible qu'on retrouve dans beaucoup de cultures à travers le monde. Une prison terrible. Au Mexique, on célèbre ça chaque année. La fête des morts, tout ça, ils appellent ça Dia de los Muertos, ou encore le jour des morts. Là-bas, ils célèbrent la mort. C'est vraiment célèbre la mort, tout ça. C'est terrible hein, le monde dans lequel on vit là. Et quand ils célèbrent, quand ils font cette fête de la mort là, tout ça, en Amérique latine là, ils font ça avec des crânes. Ils font ça avec des crânes. Ils font ça avec des squelettes colorés, ils mettent des couleurs sur des squelettes, tout ça, parfois même des squelettes en jouets, tout ça. Donc, ils célèbrent la mort. Et donc, vous voyez que ce sont des prisons. Donc, quand le Seigneur dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous transférer dans son royaume, on dit bien délivrés de la puissance des ténèbres. Oui, parce que c'est une puissance, les ténèbres, c'est une puissance, hein. Le monde là, c'est une puissance. Quand vous voyez des gens qui n'arrivent pas, des gens sont, vous voyez leur vie, tout ça là, vous prêchez l'évangile, la personne ne veut pas se convertir, tout ça. Mais c'est normal parce qu'ils sont sous la puissance de Satan. N'oubliez pas que le monde est sous la puissance de l'ennemi. C'est une puissance. Voilà pourquoi personne ne peut se délivrer par lui-même. C'est impossible. Toutes nos conversions là, ça vient du Seigneur. Qui peut dire qu'il s'est converti de lui-même, oh, j'ai décidé de venir à Jésus. Non, personne ne décide de venir au Seigneur. C'est le Seigneur qui vient nous délivrer de la puissance. S'il fallait décider de venir au Seigneur, là, beaucoup devaient se convertir. Mais il y en a que c'est terrible. C'est une puissance, le culte des ancêtres. Quand on voit des gens dans des pratiques, là, le culte des morts, le culte des crânes, le culte de toutes ces pratiques bizarres, là, c'est faut savoir que c'est une puissance terrible qui les retient. Il faut encore une autre puissance pour les rendre libres, là, la puissance de l'Évangile. Voilà pourquoi le Seigneur est venu avec l'esprit sans mesure. Il fallait la puissance de l'esprit pour libérer les captifs. Voilà pourquoi dans Ésaïe 61, le Seigneur dit « L'esprit d'Adonai Yahweh est sur moi, car Yahweh m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté. » Vous voyez, pour proclamer aux captifs la liberté. Donc le Seigneur dit « L'esprit d'Adonai est sur moi. » Car Yahweh m'a oint. Vous voyez, il fallait que le Seigneur soit oint pour nous rendre libres. Il fallait qu'il soit oint. Il fallait qu'il soit rempli, revêtu de l'onction, la puissance de l'esprit.
parce qu'il était en face d'une autre puissance. Le royaume des ténèbres aussi a une puissance. Hein. Satan aussi a une puissance, mais sa puissance a été neutralisée. Sa puissance a été paralysée par la puissance de Yeshua HaMashiach. Oh là là, voilà pourquoi le Seigneur aussi nous a donné son autorité, nous a donné son pouvoir. Il a dit en mon nom. Il a dit en mon nom. Donc vous voyez que les gens sont captifs. Les gens sont prisonniers. Si tu es dans la pratique du culte des ancêtres, du culte des morts, là, tu es dans une prison, justement. C'est une prison terrible. Tu ne peux pas sortir de toi-même. Vous allez voir que ces personnes-là même qui sont dans toutes ces pratiques-là, tout ça, toutes ces religions bizarres, ces pratiques-là, vous allez voir que quand vous allez leur présenter l'évangile, il y en a qui seront en colère. Vous ne voyez pas que souvent ces personnes-là qui sont dans des cultes bizarres, là, qui adorent beaucoup les idoles, là, tout ça, surtout dans nos familles africaines, là. Vous ne voyez pas comment parfois, quand vous leur parlez de l'évangile, là, ils sont nerveux, ils s'énervent, tout ça. C'est des esprits, hein. C'est des esprits qui se fâchent, qui ne sont pas contents parce qu'ils ont peur que vous les arrachez les âmes. Donc, quand c'est comme ça, là, il faut intercéder, hein, il faut prier. Quand nous prêchons à nos parents qui sont dans beaucoup de choses, nous prêchons à nos amis qui sont dans beaucoup de choses, lorsque nous leur parlons de l'évangile, mais c'est une guerre, hein, c'est un combat spirituel. Hein. Ton père est dans la franc-maçonnerie, ben, il faut fléchir les genoux. Hein. Ta mère est dans la franc-maçonnerie, tout ça, il faut fléchir les genoux. Tu vas venir parler à ton père qui est peut-être au 33e degré de franc-maçonnerie. Tu vas venir parler comme ça, non papa, tu sais, la Bible dit tout ça. Il faut prier d'abord. Donc, vous voyez que toutes ces personnes, souvent là, qui sont, vous leur présentez l'évangile, ils s'énervent, ils sont déchaînés, tout ça. Ils défendent vraiment leur tradition, tout ça. Ce sont des entités qui les tiennent captifs. Ce sont des entités. Tous ceux qui élèvent, qui honorent les ancêtres, qui élèvent les ancêtres, qui les adorent là. En fait, quand vous leur présentez l'évangile, vous allez voir comment ils vont vous insulter. Hein. Ils vont vous traiter de tous les noms, tout ça. En fait, c'est des démons qui les habitent. C'est des entités qui les tiennent captifs. Voilà pourquoi on doit prier et on doit être patient. Donc le culte des ancêtres, là, c'est ça, on les retrouve dans beaucoup de cultures, beaucoup de traditions. Voilà pourquoi le Seigneur dit que nous avons été délivrés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos ancêtres. Vous voyez, que nous avons hérité de nos ancêtres. Donc nos ancêtres aussi pratiquaient aussi le culte des morts. Nos ancêtres pratiquaient toutes ces choses. Nos ancêtres adoraient les bois, adoraient la nature, tout ça. Donc ils nous ont transmis ça. Voilà pourquoi il y en a aujourd'hui qui, soi-disant, reviennent à la tradition de leurs ancêtres, aux dieux de leurs ancêtres, tout ça. Vous voyez, il y a toujours ce discours-là, non, revenons à nos dieux, à nos traditions, j'ai retrouvé mes traditions, j'ai retrouvé vraiment mes ancêtres, tout ça. Il faut savoir que ce sont des faux Elohim, hein. Nos ancêtres ne connaissaient pas les vrais Elohim, ils ne les connaissaient pas. Et si vous lisez dans Galates chapitre 4, verset 8, la Bible nous dit que autrefois, ne connaissant pas Elohim, vous serviez des Elohim qui ne le sont pas de leur nature. Donc vous voyez, là, lorsqu'on était dans le monde, on dit ne connaissant pas Elohim, nous servions des Elohim qui ne le sont pas de leur nature. C'est-à-dire que tout ce qu'on adorait dans le monde là. Tout ce que nos parents adorent, tout ça, dans beaucoup de cultures, beaucoup de religions, les idoles, tout ça. En fait, eux, ils pensent, ils croient que ce sont des Elohim. Ils croient que ce sont des vrais Elohim, alors que ce sont des idoles. Ce sont des faux Elohim. Voilà pourquoi le Seigneur dit qu'en dehors de moi, il n'y a pas d'autre. Il dit, avant moi, il n'y a pas eu un Dieu. Avant moi, il n'y a pas eu des Elohim. Je suis le seul et l'unique. Il dit, le reste, là, ce sont les idoles. Il dit, ce sont les idoles. Donc la Bible dit que autrefois, ne connaissant pas Elohim, vous serviez des Elohim qui ne le sont pas de leur nature. Oui, de leur nature, ce ne sont pas des Elohim. Donc quand tu adores le bois sert à faire du feu. Ça sert à faire autre chose. Ce n'est pas le bois qui va te sauver. Donc nos parents, nos familles, tout ça, beaucoup adorent des idoles. Si tu adresses des prières aux ancêtres, si tu leur fais des offrandes, tout ça, en pensant qu'ils continuent de vivre dans le monde naturel, ben, il faut savoir que ben, tu es dans l'erreur. Parce que justement, c'est ça ceux qui pratiquent le culte des ancêtres. Ils leur adressent des prières, ils font des offrandes, tout ça, aux ancêtres, en pensant que ces ancêtres-là, leur esprit continue de vivre dans le monde naturel. Et ils se disent que, bon,
comme c'est leur esprit continue encore à vivre dans ce monde naturel-là, ça va influencer sur leur avenir. Donc, ils se disent que, ces esprits, les esprits de leurs ancêtres-là, ça va influencer l'avenir des vivants. Donc, vous voyez que ces personnes-là pensent que, en fait, ils font de ces esprits-là, ils font de leurs ancêtres-là des médiateurs entre le Créateur et eux, en adressant les prières aux ancêtres. Oh, chers ancêtres, tout ça, ils prient pour les. Ils s'adressent aux esprits des morts, à tous ces esprits-là, pour prier en leur faveur, tout ça. Vous voyez que c'est de la tromperie. Donc, il faut savoir que tous les ancêtres qui sont morts là, ils ne sont pas dignes d'être vénérés. Ils ne sont pas dignes d'être vénérés. Ils sont morts. Ceux qui sont morts, c'est fini. Il n'y a plus à encore adresser des prières, il n'y a plus encore à dire, bon, pense à moi de là où tu es là-bas, tout ça, ça ne sert à rien, c'est fini, il faut être, voilà pourquoi le Seigneur a dit, laissez les morts enterrer leurs morts, toi va annoncer le royaume, c'est fini. Donc il faut savoir que les morts ne sont pas les intermédiaires entre le Créateur et l'homme, ce ne sont pas les intermédiaires. Si ton parent meurt, il ne sera pas ton intermédiaire entre le Créateur et l'homme. Si une personne de ta famille meurt, tout ça ne sera pas, elle ou il ne sera pas l'intermédiaire entre le Créateur et toi et l'homme. Non. Ce rôle appartient à qui? À Yeshua, à Mashiach, à Jésus-Christ. Ce rôle lui appartient. La Bible dit qu'il est le seul médiateur. Il est le Créateur, mais il est en même temps le médiateur. Il est le médiateur. C'est le seul, Jésus-Christ, c'est le seul qui a vécu sans péché. C'est le seul qui a vécu une vie sans péché. C'est le seul qui a été crucifié pour nos péchés. C'est le seul qui a été enterré, qui est ressuscité d'entre les morts. C'est le seul, il a été vu par une multitude de témoins. Il est vivant, il est monté au ciel, il est assis sur son trône. C'est le seul, il y a un seul médiateur, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Si quelqu'un de ta famille meurt, un parent meurt, tout ça, il ne sera jamais ton médiateur. Tu peux prier, lui adresser des prières, adresser, il ne va jamais te répondre. Il est parti, il est mort, c'est fini. Donc, il ne faut pas adorer d'autres dieux. N'adore pas d'autres Elohim. Il ne faut pas adorer d'autres. Il ne faut pas, il y a un seul. Je viens te présenter le seul Elohim, le seul créateur de toutes choses, c'est Jésus-Christ. C'est le seul, en dehors de lui, il n'y en a plus. Si tu adores d'autres êtres en dehors de lui, ça veut dire que tu adores des idoles. Je suis venu te présenter le seul et le véritable. Lisons ensemble Ésaïe 42, verset 5. Il est dit, « C'est moi, Yahweh, tel est mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange aux images gravées. » Donc le Seigneur dit ici, il dit, « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Le Seigneur ne donne pas sa gloire, le Créateur, le Tout-Puissant, celui qui a tout créé, il ne donne pas sa gloire à un autre. Il ne donne pas sa louange aux images gravées. Il ne donne pas sa louange aux idoles. Il ne donne pas sa louange aux sitars. Il ne donne pas sa louange à toutes sortes de faux dieux. Non, il ne donne pas sa louange. Il dit, c'est moi, Yahweh, tel est mon nom. Il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange aux images gravées. Il dit, ne partage, il ne donne pas sa gloire. Il lui seul mérite la gloire. Lui seul, il dit, ne partage pas sa gloire. Donc les idoles que tu adores, les statues, les bois, toutes ces choses que tu adores, les chapelets, toutes ces choses-là, le Seigneur dit, je ne leur donne pas ma gloire. Donc en fait, ils n'ont aucune gloire. Tout ce que vous adorez en dehors de lui, ils n'ont aucune gloire. Parce que toutes ces choses que vous adorez en dehors du Créateur, il faut savoir que ce sont des idoles, tout simplement. En fait, c'est le diable que vous adorez via ces choses. Donc Satan, il a toujours voulu supplanter le Créateur. Il a toujours voulu prendre sa place. Il a toujours voulu recevoir l'adoration. Et il se sert justement de mensonges sur d'autres dieux et même des ancêtres, pour vous égarer loin de lui. Donc Satan veut vous égarer loin du Créateur. Satan veut égarer les hommes loin de la vérité. Voilà pourquoi il pousse les hommes à adorer des ancêtres. Il pousse les hommes à adorer les morts. Il pousse les hommes à adorer la créature. Donc, quand la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire d'Elohim, ça veut dire que même le culte des ancêtres-là est un péché. Ça fait partie aussi de ces péchés que justement le Créateur condamne. Donc, si le fait même que tu pratiques ces cultes, tout ça, ça prouve que tu es un pécheur aussi. Un pécheur qui a besoin d'être sauvé. Parce que le culte des ancêtres est péché. Selon la parole du Créateur, c'est péché. Et le sang de l'agneau, le sang de Yeshua Mashiach, le sang de Jésus-Christ est venu justement
effacer voilà, toute cette saleté-là. Il est venu effacer tous ces péchés-là pour que tu sois sauvé. Donc, si tu pratiques aussi la prière pour les morts, ça prouve que tu es pécheur. La prière pour les morts, le Créateur condamne cela. La prière pour les morts, les messes de requiem, il condamne. Il faut savoir que tes prières pour quelqu'un sont sans effet, hein, sans effet après sa mort. Il n'y a aucun effet. Donc, tu vas prier pour telle mort, pour tout ce que tu vas dire, en fait, il n'y aura aucun effet. Aucun effet. Donc, c'est en étant vivant que tu dois commencer à faire le choix. Soit tu fais le choix d'appartenir à Jésus-Christ, ou tu fais le choix d'être perdu pour l'éternité. Voilà pourquoi le Seigneur dit, je vous présente, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Le Seigneur dit, choisis la vie. Parce que notre destinée éternelle, justement là, ça se confirme au moment de notre mort. Hein. Soit tu es sauvé par la foi en Yeshua Mashiach, la foi en Christ, et tu vas au ciel pour te reposer et attendre ta récompense, tout ça. Soit tu es jeté dans les tourments de l'enfer. Donc c'est le moment maintenant, étant vivant là, c'est le moment de faire le choix. Hein. C'est le moment. Souvenez-vous de l'histoire de l'homme riche et Lazare. Si le Seigneur a raconté cette histoire-là, en fait, il voulait enseigner qu'après la mort, les injustes, justement, ils sont éternellement séparés du Créateur. Ils sont séparés du Créateur. Tous ceux qui n'auront pas fait la paix avec Jésus-Christ de leur vivant, à leur mort, ils seront séparés éternellement du Créateur. Déjà étant vivants, ils sont séparés du Créateur. Et s'ils meurent dans cette condition, sans le salut, sans la foi en Jésus-Christ, ils sont éternellement séparés du Créateur. Donc, tu ne dois pas prier pour les morts. Nous ne devons pas prier pour les morts, on doit prier plutôt pour les vivants. Donc, ne te dis pas que lorsque tu vas mourir, ne te dis pas que voilà, les gens de ta famille, tes proches, tout ça, ils vont prier pour toi, pour le repos de ton âme, pour que tu ailles, je ne sais pas, au ciel. Non, il n'y a aucune prière qui va t'amener au ciel, hein? Aucune. Voilà pourquoi tu dois faire la paix maintenant. Tu dois faire la paix avec ton Créateur maintenant. C'est le moment ou jamais. C'est maintenant, pas demain. C'est aujourd'hui. Si vous lisez Ézéchiel chapitre 18, verset 20, la Bible dit « Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. » Et la Bible dit que le juste sera préservé à cause de sa justice et le méchant sera condamné à cause de sa méchanceté. Donc, vous voyez que la Bible enseigne que la destinée éternelle de l'homme est déterminée justement par nos actes pendant notre vie sur terre. Pendant notre vie sur terre, est-ce que tu as fait la paix avec ton Créateur? Est-ce que tu as fait la paix avec ton Créateur? La Bible nous dit dans Hébreux, il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, après la mort vient le jugement. Donc, on comprend que notre état spirituel là, ça ne peut plus être changé après notre mort. Donc, c'est le moment de faire la paix avec ton Créateur. Hein, parce que vous savez, on n'a qu'une seule vie. Hein. Nous n'avons qu'une seule vie et nous sommes donc responsables de ce que nous faisons. Tu es responsable de ce que tu fais. Parce qu'à la fin de ta vie-là, tu n'auras plus de choix à faire. Hein. Tu n'auras plus de choix. Dès que la mort te frappe, c'est fini. Ton sort est scellé, c'est fini. Ton sort est scellé. Si tu n'as pas fait la paix avec ton Créateur de ton vivant, c'est fini. Le sort, c'est fini là, c'est scellé. C'est la perdition éternelle, c'est la parole qui le dit là, c'est la vérité, c'est la perdition. Voilà pourquoi le Seigneur qui te donne encore le souffle de vie, c'est pour te ressaisir. Hein. Et quand le sort est scellé comme ça là, aucune prière, les prières des autres là, tout ça là, aucune prière de quelqu'un de ta famille, aucune prière d'un prêtre, aucune prière d'un pasteur là ne peut changer le verdict final. Rien ne peut changer le verdict. Soit tu meurs dans, étant déjà dans la condamnation, ou soit tu meurs étant déjà sauvé. Ah, il faut faire le choix parce que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Donc, c'est ceux qui sont en Jésus-Christ qui ne sont plus condamnés. Mais ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Jésus-Christ, ils sont sous le poids de la condamnation. Ils sont sous le poids de la condamnation. Donc, s'ils vivent encore, en fait, ils vivent, c'est par sursis, c'est un sursis. Le Seigneur est amour, il veut les sauver. Ceux qui sont dans des pratiques de tous ces cultes, toutes ces traditions bizarres, le culte des morts, la sorcellerie, toutes ces choses. En fait, si le Seigneur permet qu'ils vivent encore, si le Seigneur permet qu'ils soient encore en vie, c'est parce que le Seigneur veut les sauver. Le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur. Il veut que le pécheur se répande. Le Seigneur veut le salut de tous les hommes. Il veut que les hommes se répandent. Mais malheureusement, il y en a qui refuseront le salut. Donc, les prières pour les morts sont vaines. Les prières pour les morts sont vaines. Ça ne sert à rien d'aller tout le temps assister
aux messes des Requiem, tout ça, ça ne sert à rien parce que c'est une perte de temps. Ce sont des prières vaines. La messe de Requiem, c'est un culte diabolique, c'est un culte des morts, c'est un culte diabolique. Toutes les prières qui sont faites pendant les messes de Requiem, là, ce sont des prières vaines. Ce sont des prières vaines. Le purgatoire, tout ça, ça n'existe pas, c'est un mensonge. Il n'existe pas de purgatoire, c'est un mensonge du diable. Le purgatoire n'existe pas. Et Satan, le père du mensonge, le Seigneur a dit hein, dans Jean 8, il dit, Satan ne se tient pas dans la vérité. Il dit, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. La Bible dit qu'il n'y a pas de vérité en lui, il n'y a pas de vérité en Satan. En fait, tout ce que Satan dit, tout ce qu'il fait, c'est toujours le mensonge. Il n'y a aucune vérité en lui, aucune. Donc, quand tu mens, quand tu aimes par exemple mentir là, en fait, c'est pas bon. Parce que Satan, c'est lui le père du mensonge. Tout ce qu'il dit, il ment. Tout ce qu'il dit, il ment. C'est le père du mensonge. Satan va te promettre la gloire de ce monde. Il va te promettre beaucoup de choses. Tout ça, il va te donner beaucoup de richesses. Tout ça, ok. Mais à la fin, il te détruit. Hein. Donc, vous voyez que c'est un menteur. Il te donne des cadeaux empoisonnés. Il te fait comprendre que ce que tu adores là, c'est un vrai Dieu. Ça va te protéger. Mais à la fin, comme ça, là, tu te rends compte que voilà, ça ne t'a pas protégé. La Bible nous dit même que dans Ésaïe, que les hommes, pendant la colère du Seigneur, je crois Ésaïe 2, pendant la colère du Seigneur, les hommes vont jeter leurs idoles. Ils vont jeter leurs idoles, ils vont fuir la colère. Et regardez Ésaïe chapitre 2, à partir du verset 16. Il est dit, à partir du verset 17, il est dit, « Et l'arrogance des humains sera humiliée, et les hommes qui se lèvent seront abaissés. » Verset 18, « Yahweh seul sera élevé en ce jour-là. » Quant aux faux Elohim, ils tomberont tous. Vous voyez, les faux Elohim, la Bible dit, ils tomberont tous. Et l'on entrera dans les cavernes des rochers et dans tous les trous de la terre, face à la terreur de Yahweh et à sa gloire magnifique, quand il se lèvera pour faire trembler la terre. En ce jour-là, les humains jetteront aux taupes et aux chauves-souris leurs faux Elohim d'argent et leurs faux Elohim d'or qu'ils s'étaient faits pour se prosterner devant eux. Vous voyez, pendant la colère de l'agneau, pendant la colère du Créateur, la Bible nous dit qu'en ce jour-là, les hommes vont jeter leurs idoles. Ils vont jeter toutes les idoles qui se sont faites là pour adorer, pour se prosterner devant eux. Là. Ils vont finir par jeter ça. Vous voyez le mensonge de Satan? Satan vous ferait croire que oui, c'est moi le Créateur, adorez-moi. C'est moi, en dehors de moi, il n'y a plus. Je suis le vrai, je suis l'unique, je suis celui qui peut vous protéger, celui qui peut vous garder. Mais pendant la colère de Yahweh, là, ce sera le sauve qui peut. Même Satan va faire, il va fuir. Sauve qui peut, il va dire, ah, moi, je ne vous connais plus. Lui aussi va fuir. C'est ça le mensonge. Il vous fait comprendre qu'il vous protège. Il vous fait comprendre que c'est lui qui vous garde. C'est lui qui vous protège. C'est lui le vrai Elohim. Mais quand la mort va venir, quand la colère de Yahweh va venir, il va vous laisser. Il va fuir. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que donc vraiment c'est un menteur. Vous allez vous rendre compte que c'est un menteur. La Bible dit que pendant la colère de Yahweh, les hommes vont jeter leurs faux Elohim. Ils vont jeter tout ça, l'or, tout ça pour se prosterner. Ils vont jeter leurs idoles là qui s'étaient faites pour se prosterner devant eux. La Bible dit qu'ils entreront dans les crevasses des rochers et dans les creux des rochers face à la terreur de Yahweh, à sa gloire magnifique, quand il se lèvera pour faire trembler la terre. Cessez d'être avec l'être humain dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car en quoi compte-t-il? Vous voyez? Voilà les mensonges de Satan. Voilà les mensonges de Satan. Tu adores les statues, tu adores les bois, tu adores les serpents. Il y en a même qui adorent les serpents. Il y a même des cultes au Bénin, vous allez là-bas, il y a les cultes de serpents, il y a un temple qu'on appelle à Ouida, à la ville de Ouida, le temple des pitons. Le temple des pitons, c'est un sanctuaire vaudou. C'est un sanctuaire vaudou qui est situé au Bénin là-bas. Et là-bas, on voue des cultes, voilà, ils adorent là-bas des serpents. Le culte aux serpents, là. Vous voyez, c'est grave, hein? Et là-bas, c'est le nouveau temple. Je dis nouveau parce que c'est moderne. Et c'est là où sont les pitons. Mais là-dedans, on a au moins une cinquantaine de pitons à l'intérieur. On va dire qu'ils sont gardés pour la vénération. Vous passez dans le sens d'une aiguille d'une montre, vous traversez les trois marches, vous allez au milieu, on va vous donner de l'eau sacrée. Vous allez vous laver la main, un peu la figure, un peu la tête pour vous purifier. Vous déposez vos deux mains sur la jarre et vous formulez vos vœux, vous finissez de faire les vœux, vous allez mettre une offrande, on ne vous impose rien. D'accord. C'est vous qui savez la valeur de ce que vous demandez. On vous le dit, ce que vous mettez sous la jarre, nous achetons ici de l'huile rouge, du maïs écrasé, c'est pour faire les offrandes à la divinité. À la divinité. Donc, il existe là-bas le culte du serpent. Il y en a qui vont là-bas pour, soi-disant, du tourisme.
Ils vont là-bas, ça prend des ça fait des photos avec des serpents, tout ça. Tu mets des serpents sur toi, tout ça. Tu fais des photos, tout ça. Mais tu es en train d'attirer l'esprit de mort. Hein. C'est l'esprit de mort. Hein. Vous voyez tout ça là. Ce sont des choses que le Créateur condamne. Même pour soi-disant le tourisme là. Tu vas faire du tourisme dans le temple des pitons. Il y en a qui vont même faire, qui vont s'agenouiller là-bas. Hein. Même en soi-disant tourisme. Hein. Peut-être ils vont là-bas de façon, ils ne savent, ils sont inconscients. Bon, ils ne savent pas. Je sais pas. Mais il y en a, c'est grave. Vous allez faire des photos, il y en a qui se postent, ils font des offrandes, ils prient, il y a des serpents qui sont là, ils prient, tout ça, ils font des vœux, tout ça. Et c'est vous voyez, c'est satanique. En fait, tu attires sur toi des esprits de mort. Donc, si tu allais au temple des pitons faire des photos là-bas, si tu as pris les serpents, tu as mis ça sur ton cou, tout ça, franchement, je t'invite à te repentir, hein, à venir, à saisir la main du Seigneur Jésus-Christ pour qu'il baigne, pour que tu sois sauvé. Parce que c'est grave, c'est grave. Seul le Seigneur peut te sauver de tous ces liens, de toutes ces chaînes. Seul le Seigneur. Il n'est pas là, il n'est pas venu te juger, mais il est venu te sauver. Donc voilà un peu, voilà, vous voyez toutes ces spiritualités africaines là, qu'on met même, on fait passer ça même pour du tourisme, tout ça. Tout simplement pour que les gens aillent se prendre des esprits de mort là-bas. Vous allez au temple des pitons, à Ouida, au Bénin, et vous savez que ces pays-là, c'est... Là-bas, c'est le haut niveau de la sorcellerie. Hein. Voilà, haut niveau de la sorcellerie. Donc voilà, ce sont des pratiques. Voilà, toutes ces spiritualités africaines, toutes ces pratiques-là, ce sont des pratiques, je le dis, sataniques. Hein. Ce sont des pratiques sataniques. Donc le Créateur condamne le culte des serpents. Il condamne ça. Le culte des serpents. Il condamne ça. Il condamne. Comment vous allez adorer la créature? Comment vous allez adorer des serpents, des créatures, des choses qui ont été créées? Vous allez adorer. Voilà pourquoi le Seigneur dit que ben ils ont adoré la créature au lieu d'adorer le Créateur. Ils adorent, ils se prosternent devant ces serpents, ils font des prières, ils font tout ça. Mais vous vous adressez aux démons. Ce sont des démons. Vous adressez aux démons. Et il y en a quand ils font des photos avec ces serpents, vous voyez, ils sont fiers, ils sont contents, ils sont C'est l'ignorance, voilà. Ma prière, c'est que le Seigneur sauve toutes ces personnes qui ne le connaissent pas. Voilà, beaucoup le font dans l'ignorance, hein. Voilà, le Seigneur dit sans tenir compte des temps d'ignorance. Voilà, donc beaucoup le font aussi dans l'ignorance. Beaucoup sont prisonniers de l'ennemi. Beaucoup le font dans l'ignorance parce que vous savez, quand on ne connaît pas le vrai Elohim, le Créateur, on se tourne automatiquement vers des faux dieux. C'est ça quand on ne connaît pas le véritable Créateur, l'Elohim véritable. On se tourne vers les faux Elohim. Voilà, on se tourne vers les faux Elohim. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Ésaïe 45, 22, il dit, tournez-vous vers moi, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Elohim et il n'y en a point d'autre. Il dit, tournez-vous vers moi pour être sauvés, car en dehors de moi, il n'y en a plus d'autre. Le Seigneur dit, il n'y en a plus d'autre. Donc, c'est envers lui que nous devons adresser des prières. Et l'Elohim auquel nous devons adresser des prières, il est esprit. Voilà pourquoi la marche chrétienne, quand tu marches avec le Seigneur, ben c'est par la foi. Venir au Seigneur, c'est vraiment la marche avec le Seigneur, c'est vraiment par la foi, parce qu'on ne le voit pas. Voilà pourquoi les gens nous prennent pour des fous, mais on dit, mais vous adorez un Elohim que vous ne voyez pas. Donc c'est ça, en fait, les hommes aiment adorer ce qu'ils voient. Voilà pourquoi ils sont prêts à adorer des bois, des pierres, des chaussures, des cure-dents. Les hommes sont prêts à adorer tout, parce que l'être humain se sent seul quand il ne voit rien. C'est ça le point. L'être humain veut toujours être accompagné. C'est ça. C'est comme quelqu'un qui a peur de dormir seul. Il veut toujours être avec des gens. C'est ça que se passe. Voilà pourquoi les gens adorent beaucoup des Elohim. Ils se font des images parce qu'ils veulent avoir quelqu'un à côté d'eux. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, il a dit que les véritables adorateurs sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. Parce que Elohim est esprit. Le Créateur, il est esprit. On ne le voit pas. Il est esprit. Mais on voit sa création. Il est esprit, mais on voit sa création. Il est esprit. Ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Le Seigneur est esprit, le Créateur, celui qui a créé les cieux et la terre. J'aimerais te dire, il est esprit. On ne le voit pas, mais tu peux l'expérimenter. On ne le voit pas, mais il habite en toi par son esprit. Donc, il fait de nous maintenant, quand tu te convertis, il fait maintenant de toi sa maison. Il fait de toi, donc l'esprit du Seigneur habite en toi. Yahweh habite en nous. Si on demande l'adresse du Seigneur, c'est toi l'adresse du Seigneur parce qu'il habite chez toi. Voilà pourquoi le Seigneur dit qu'il n'est pas dans les temples faits des mains d'hommes. Le Seigneur n'habite pas dans une maison, c'est nous qui sommes la maison. Quand tu te convertis, il habite maintenant en toi. Donc, il est esprit. Il est esprit, on ne le voit pas. Voilà pourquoi il dit qu'il ne veut pas être représenté par quoi que ce soit. Le Seigneur ne veut pas une représentation quelconque. Il ne veut pas que tu fasses un bois et tu dises que oui, c'est toi mon créateur. Non, il est esprit, on ne le voit pas.
Voilà pourquoi tu dois avoir la foi qu'il existe. La Bible dit que celui qui s'approche d'Élohim doit croire qu'il existe. Donc si tu t'approches de lui, tu dois croire qu'il existe. Et 1 Pierre chapitre 1 verset 18 nous dit que « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. » Vous voyez, on n'a pas encore vu le Seigneur physiquement, on ne le voit pas, tout ça, il n'habite pas quelque part dans une maison. La Bible dit que vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous voyez, on aime le Seigneur sans l'avoir vu physiquement. On l'aime déjà. C'est ça la foi. La foi, c'est aimer quelqu'un sans l'avoir vu. C'est ça la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est quand le Seigneur dit « il va revenir », ben tu crois, tout simplement, tu crois. C'est ça la foi. Donc la marche, être chrétien, c'est marcher par la foi. C'est marcher, c'est de croire que le Seigneur existe, c'est de croire que le Créateur de toutes choses existe, c'est de croire que lorsque tu pries, lorsque tu t'adresses à lui, il t'écoute. C'est ça la foi. Voilà pourquoi le monde, les païens, tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ben, ils sont obligés d'aller se prosterner devant des serpents, devant des bois, tout ça, parce qu'eux, ils veulent voir, ils veulent voir. Alors que le Seigneur, c'est la foi. Le Créateur, c'est la foi. Il dit, crois en moi, crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Voilà pourquoi le Seigneur dit, pour savoir qu'il existe, regardez sa création. Il nous montre sa création. Quand tu prends l'avion, là, quand tu regardes les nuages, comment tout est bien fait là, tout est tracé, tout est coordonné, tu vois la création, tu vois tout l'univers, tout ça là. Mais ce n'est pas un être humain qui a fait ça. Ce n'est pas un être humain qui a créé l'univers. Il y a forcément un créateur. Donc, au travers, le créateur se fait connaître aussi au travers de ses ouvrages, au travers de son ouvrage, la création. On voit qu'il y a un créateur. Quand tu regardes l'être humain, tous ceux qui composent l'être humain, tout ça, ça veut dire qu'il y a la signature du créateur. En fait, la création porte la signature du créateur. Et ce créateur-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Mais c'est lui. Celui qu'on appelle Yeshua HaMashiach. C'est lui. C'est lui le créateur. Donc, nous n'avons pas besoin d'un objet pour l'adorer. Nous n'avons pas besoin de quoi que ce soit pour l'adorer. Nous n'avons pas besoin de faire une statue pour l'adorer. Non. Tu n'as pas besoin de faire une statue de Marie. Hein, voilà. C'est quand tu te prosternes devant même la statue soi-disant de Marie, là, c'est, non. Tu es en train d'adorer. En fait, tu es en train d'adorer l'esprit qui est derrière. Tu es en train d'adorer l'esprit qui est derrière. Et c'est l'esprit des morts. Tu es en train d'adorer vraiment. C'est un culte à Satan, en fait. Parce que c'est le diable qui est derrière. Les statues de Marie, là, qui fait ça? Ce sont des hommes qui fabriquent ça. On fait ça avec du ciment, tout ça. Comment tu vas adorer quelque chose qu'on a fait avec du ciment, de l'eau, tout ça, avec deux maçons? Peut-être les maçons là-même qui ont fait ça, ce sont des ivrognes. Peut-être ce sont des adultères. Ceux qui ont fait ça, ils mettent ça devant, dans une grotte, et puis toi, tu viens, tu te prosternes. Mais tout ça, et puis on met un coup de peinture sur la Marie, tout ça, c'est de la sculpture. Ouais, c'est de la vanité. C'est de la vanité. Tu n'as pas allé te prosterner pour soi-disant attirer les faveurs. Non, tu n'as pas attiré des faveurs de X ou Y. Tu n'as pas attiré des faveurs. Les véritables adorateurs adorent Elohim, adorent le Créateur en esprit et en vérité. Adorer en esprit et en vérité, ça veut dire que tu peux l'adorer partout. Le Seigneur est avec toi, il a dit « Je suis avec vous, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Je serai avec vous tous les jours. » Donc, il est avec toi. Le Seigneur nous a rassuré qu'il est avec nous, il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin des âges. Il sera avec nous. Ça veut dire que même quand tu conduis, tu peux l'adorer. À la douche, tu l'adores. À la maison, tu l'adores. En marchant, tu le partout, tu l'adores. Ça veut dire que tu l'adores en esprit et en vérité. Tu pries par l'esprit. Tout se fait dans l'esprit. Tu crois qu'il est là. Ça veut dire que tu sens, tu ressens même sa présence. Ça veut dire que tout est spirituel. Tout est spirituel avec le Seigneur. Seuls les hommes spirituels peuvent comprendre de quoi je parle. Voilà pourquoi justement nous qui marchons par la foi, les disciples du Seigneur qui marchent par la foi, même quand tu marches dans la rue tout seul là, mais tu n'es pas seul, tu es protégé par une armée d'anges. Tu es protégé par le Seigneur te garde, il te protège. Il te garde, les gens vont te voir seul alors que le Seigneur veille sur toi, il a la main sur toi. Quand l'apôtre Paul persécutait l'église, le Seigneur a dit quoi à Paul? Il a dit, pourquoi me persécutes-tu? Le Seigneur n'a pas dit, pourquoi tu persécutes l'église? Il dit, non, pourquoi? Il dit à Paul, pourquoi tu me persécutes? Donc quand on persécute un disciple du Seigneur, quand on attaque un disciple du Seigneur, le Seigneur se sent attaqué lui. Et le Seigneur, en fait, c'est le Seigneur que tu attaques parce qu'il est la tête de l'église. Donc quand tu touches l'un de ses membres-là, la tête réagit. C'est ça la marche par l'esprit. Quand nous marchons par l'esprit, nous avons la foi qu'il existe. Donc Satan est le père de mensonges. Il vous pousse à adorer des faux Elohim. Il vous pousse à adorer des créatures, tout ça. Il vous pousse à l'adorer. C'est le père du mensonge. Il vous fait croire qu'il y a un purgatoire alors que ça n'existe pas. Le purgatoire, c'est une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine qui est inspirée des livres apocryphes. Vous voyez, c'est inspiré des livres apocryphes.
Et la doctrine du purgatoire, là, ça encourage l'intercession en faveur des morts. C'est ça le but du purgatoire. Vous voyez que vraiment, c'est vraiment un mensonge de Satan parce que ça pousse les hommes à intercéder en faveur des morts. Donc, c'est une fausse doctrine. Satan fait croire aux hommes que l'âme de l'homme va dans ce lieu-là pour être purifié. Pour être purifié des péchés qu'il n'a pas pu expier totalement lorsqu'il est en vie. Donc, c'est vraiment une invention. C'est vraiment une invention... Voilà, c'est une invention de l'Église catholique, voilà, mais elle n'est pas en accord avec les Écritures. Voilà, elle n'est pas en accord avec les Écritures. Les Écritures, la parole du Seigneur ne parle pas de purgatoire. Et ceux qui vous font croire que le purgatoire existe, ben, ce sont des personnes en fait qui n'ont pas, voilà, qui ont vraiment une mauvaise compréhension de la nature du sacrifice de Jésus-Christ. Ils ont une mauvaise compréhension. Et voilà pourquoi même dans la religion catholique, pendant la messe, qu'ils appellent l'Eucharistie, là. En fait, la messe, là, l'Eucharistie, en fait, c'est une répétition du sacrifice de Christ. C'est une répétition du sacrifice de Christ qu'ils font. Parce qu'ils n'ont pas compris que le sacrifice, justement, du Seigneur, qu'il a offert une fois pour toutes, était parfait. C'était déjà suffisant. Voilà pourquoi, dans la religion catholique, ils considèrent la messe, c'est-à-dire l'Eucharistie, là, comme une répétition, vous voyez, une répétition du sacrifice du Seigneur, du Messie. Satan fait croire aux hommes que le purgatoire, c'est comme c'est comme une salle d'attente avant d'aller au ciel. C'est un mensonge. C'est un vrai mensonge. Et si vous lisez par exemple 2 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8, la Bible dit « Étant donc toujours plein de confiance et sachant qu'en demeurant dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur, car nous marchons par la foi, non par la vue. Mais nous sommes pleins de courage et nous préférons plutôt être loin de ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Donc, quand tu quittes ce corps-là, ce n'est pas pour aller au purgatoire. Hein. Ce n'est pas pour aller au purgatoire. C'est soit, si tu quittes ce corps, si tu n'es pas sauvé, ben, lorsque tu quittes ce corps-là, c'est la perdition éternelle. Hein. Tu es perdu pour l'éternité, c'est fini. Et lorsque tu quittes ce corps-là, étant converti, étant sauvé par la grâce, ben voilà, tu vas auprès du Seigneur. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8, pour le croyant, justement, la mort, c'est quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Tu quittes ce corps pour demeurer auprès du Seigneur. Voilà, pour demeurer. La Bible ne dit pas que, dans 2 Corinthiens 5, 6, là, la Bible ne dit pas que, ce verset ne dit pas que nous quittons ce corps pour aller au purgatoire dans le feu purificateur. Non, la Bible ne le dit pas. C'est quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les accompagnent. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Donc, lorsque tu meurs dans le Seigneur, ben, à ta mort, après ta mort, tu es auprès de lui. Tu es dans sa présence, tu es auprès de lui. Hébreux chapitre 10, verset 4 nous dit que « Car par une seule offrande, il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Vous voyez? Donc, c'est le moment pour toi de mettre ta vie en règle devant ton Créateur. C'est le moment parce qu'après la mort vient le jugement. La Bible dit que « Après la mort vient le jugement. » Donc, étant vivant, le Créateur nous appelle à pratiquer le vrai culte. Le vrai culte. Nous devons adorer le véritable Créateur, celui qui a créé les cieux et la terre. Donc, celui qui a créé les cieux et la terre, toute la création, ben, ce n'est pas, il ne s'appelle pas Bouddha, il ne s'appelle pas Mahomet, il ne s'appelle pas Vishnu, Krishna, il ne s'appelle pas, je ne sais pas quel nom, tout ça. Voilà, tout ça là, ce sont des faux Elohim. Nous devons pratiquer le véritable culte, le véritable culte. Nous devons adorer l'Elohim véritable, celui qui t'a créé, le véritable créateur, Yahweh des armées, Yeshua HaMashiach. Donc si chez toi tu as des images taillées, tu as des idoles, tu as des autels, tout ça, il faut savoir que tu héberges chez toi des démons, tu héberges chez toi des mauvais esprits. Tu ne dois pas avoir chez toi des images taillées, tu as des idoles sous le lit, tu as des gris-gris, tu as des talismans, tu as des fétiches, tout ça. Il faut savoir que le Seigneur est venu te délivrer de cela. Il faut savoir qu'il est venu pour te rendre libre, pour te rendre libre. L'Elohim véritable, ton Créateur, il est esprit. Donc si tu as des idoles chez toi, tu as des autels, tu as des gris-gris, tout ça, n'aie pas peur, il faut jeter ça et donner ton cœur entièrement à Jésus-Christ parce que c'est lui seul qui est venu pour te sauver. Les idoles que tu as chez toi là ne vont pas te sauver. Quand tu seras malade, ce n'est pas ces idoles là qui vont venir te sauver. Hein. Ce n'est pas ces idoles qui vont venir te sauver. Ça me rappelle un peu, c'est juste un bref témoignage. Quand mon père est décédé en 2015, mon père était, avant sa mort, il était très malade. Il était très malade, on lui prêchait beaucoup l'évangile, on parlait beaucoup de l'évangile. Moi personnellement,
Quand il était à l'hôpital, je présentais l'évangile, tout ça, je lui parlais de l'évangile, beaucoup, il m'écoutait beaucoup. Et après un moment, il était tellement malade et tellement qu'il cherchait la guérison, il allait maintenant dans des temples où ils font des rites initiatiques, il allait se faire initier, on l'a fait boire des choses, tout ça, il allait avec ma mère, tout ça, ils se sont fait initier, ils sont allés dans des temples de Banja, ça c'est des rites au Gabon là-bas, des temples de Banja, de Bouti, tout ça, ils sont allés faire des danses bizarres, ils sont allés voir toutes sortes de tradis praticiens, toutes sortes de féticheurs, de Nganga, des Komiens, tout ça, ils sont allés voir toutes ces personnes-là. Mais mon père n'avait pas trouvé la solution. Il n'a pas trouvé la solution. On lui disait des choses à faire, tout ça, pour qu'il reçoive la guérison. Il faut faire ci, il faut faire ça. On avait même donné à mon père des sitars, des instruments. C'est comme des instruments de musique, là, mais ce sont des idoles, en fait, qu'une ethnie au Gabon l'adore beaucoup. Voilà, ce sont des idoles. Donc, on lui a donné une idole, là. Tout ça, ils sont allés mettre ça à la maison. Là où on habitait, voilà, à la maison familiale, là-bas. Ils avaient mis ça dans un coin, tout ça. On leur prêchait l'évangile. On leur parlait de l'évangile, tout ça, c'était pas facile. Hein. Et une fois, j'étais sorti, et quand je suis revenu à la maison, il faisait 22 heures, je vois la maison, il y avait plein de monde dans la maison. Des hommes, des personnes en tenue des tenues de tradition, là. Voilà, avec des kaolets sur le corps, tout ça, ils ont mis des trucs sur le corps, tout ça, il y avait du feu, ils ont mis du feu partout, tout ça. Il y avait vraiment des choses, vous voyez, des trucs qui se passent dans dans les rites là, les rites africains là. Donc je vois des inconnus, hein, des gens, en fait, voilà, ils avaient été invités à la maison. Ils ont été invités à la maison par des parents, tout ça, mes parents qui ne connaissent pas le Seigneur. Je les vois tous, ils étaient en tenue, ils faisaient des danses, voilà, des danses africaines là, tout ça, pour ils invoquaient les esprits, tout ça. Waouh, mais j'étais choqué. J'étais choqué. Donc vous voyez que mon père était parti dans toutes ces choses-là, tout ça pour retrouver la guérison, pour soi-disant chasser les mauvais esprits, des esprits des familles, les esprits des morts, tout ça. Et malgré ça, on continue à prêcher l'évangile. Et les choses s'empiraient. Au lieu d'être guéri, ben, sa maladie s'empirait. À la fin, il a compris que ce n'est pas la solution. Il a compris que ce n'est pas la solution. Les idoles qu'il avait, tout ça, il a compris que ce n'est pas la solution. Et quelques jours avant sa mort, je me souviens, ma mère m'appelle. Elle m'appelle et me demande de venir à l'hôpital avec d'autres personnes, tout ça. Donc, j'ai appelé un frère dans la foi et sa femme. On est parti, c'était en 2015. Hein. Je me souviens, c'était le 7 avril. Ma mère m'a appelé, elle me dit au téléphone, « Écoute, Yannick, viens, il y a ton père qui est en train de partir, c'est compliqué, tout ça. » Et il est en train de partir, c'est fini, tout ça vient, c'est chaud, essaie de venir, tout ça. Donc vous voyez que malgré tout ce qu'ils ont fait, toutes les initiations, tout ce qu'ils ont fait là, ils ont compris qu'il n'y avait pas de solution. Ils sont allés jusque dans notre village là-bas, là, faire les rites bizarres là, tout ça. Il y a des choses, même on ne sait pas ce qu'ils ont fait là-bas. Ils sont allés dans notre village, tout ça, ils ont fait des choses, tout ça, tellement de choses où on leur a dit que c'est ça la solution, il faut être dans nos rites africains, là, tout ça, c'est là où on va trouver la solution, tout ça, il faut aller invoquer les esprits pour demander la guérison. Ils ont fait tout ça, et à la dernière minute, un jour avant la mort de mon père, ils m'ont appelé, je suis allé avec un frère et sa femme, on est parti. On arrive dans la chambre d'hôpital comme ça, là, mon père était en train de... Il était presque agonisant, il était en train d'agoniser. Je le voyais sous le lit. Il était vraiment... il vivait encore. On a continué à parler de l'évangile. Parler de l'évangile. J'ai continué à parler à mon père. Et avec un frère dans la foi et sa femme, il y avait ma mère aussi dans la salle. On a prié avec mon frère dans la foi et sa femme, là, à trois. On a prié pour mon papa. On a prié pour lui, on a prié pour son salut. On a prié vraiment pour que le Seigneur le libère, tout ça, pour que le Seigneur le délivre de toutes ses chaînes. Parce que sur lui, il avait des cordes, hein. Il avait des cordes autour des reins, tout ça là, les cordes partout, des soi-disant des protections. Là, le Seigneur nous a dit de prendre un petit couteau là, on a coupé les cordes là, on a coupé les cordes qu'il avait autour de lui. Hein. On a coupé les cordes qu'il avait autour de lui, tout ça, on l'a présenté le message de l'évangile. On sentait que, en fait, quand il était en train de partir, mourir, là, il était vivant, mais il voulait parler, en fait. Il voulait parler, il voulait pas. On sentait, parce qu'on lui présentait le message de l'évangile, on lui présentait que j'étais en train de lui dire, mais papa, tu as vu que Jésus-Christ, c'est lui la solution, c'est lui le salut, c'est lui la vie éternelle, c'est lui.
il était en train de parler. Il parlait, c'est-à-dire que on n'entendait pas les mots qu'il disait, mais on sentait qu'il reconnaissait réellement que c'est Yeshua Mashiach qui est le sauveur, qui est le créateur de toutes choses, qui est le tout-puissant. C'est lui la vie. On a prié, on a prié. Et quand on a prié, c'était pendant 2 heures de temps. On a prié, pendant qu'on priait là, il veut parler comme ça. On sentait vraiment qu'il y a quelque chose, il voulait dire, il voulait parler, tout ça. On sentait vraiment, en fait, le Seigneur nous faisait comprendre qu'il est en train de le récupérer lui-même. En fait, le Seigneur est en train de le récupérer. Le Seigneur le récupérait. À la dernière minute, le Seigneur le sauve. Pendant 2 heures de temps, on a prié, on a coupé toutes les idoles. On a prié. Et quelques temps après, 2 heures après, vers minuit comme ça, on a prié, c'était de 22h à minuit, vers minuit comme ça là, paf! On voit comment la respiration commence à diminuer. Ça diminue, tac, il est parti. On continuait, je continue à prier. C'est la femme de mon frère, mon frère dans la foi là qui m'a dit, oh, c'est là, il est parti. Et quand il est parti là, je vous dis, on n'a même pas pleuré. Hein. J'ai pas pleuré. Après la prière, j'ai pas pleuré. C'était comme ouf. C'était vraiment, c'est en fait, le Seigneur m'a fait comprendre que le Seigneur l'a pris. C'est-à-dire, le Seigneur l'a racheté. Le Seigneur l'a pris. C'est le Seigneur qui l'a pris. Le Seigneur l'a sauvé. En fait, mon papa a été sauvé. En un mot, il a été sauvé. Et nous avons vu ce que le Seigneur a fait. Et j'ai eu du mal. J'ai vraiment pas pleuré. Quand j'ai pleuré, c'est à l'enterrement, tout ça. On a mis le cercueil sous terre et puis tac. Quelques larmes sont sorties. Mais avant ça, j'avais pas pleuré. J'étais plus en paix. J'étais en paix, j'ai dit, Seigneur, parce que vous savez, l'éternité, la vie éternelle, il n'y a rien de tel. La vie que nous passons sur terre, là, elle est éphémère. Mieux vaut s'investir pour des choses éternelles. Même si tu as vécu 50 ans là, mais à l'éternité là, c'est plus de 50 ans. Hein. Même si tu as vécu 100 ans sur la terre, mais quand tu vas mourir là, l'éternité, c'est vraiment, l'éternité est plus longue que la vie sur terre. Hein. Voilà pourquoi il faut s'investir, il faut en fait faire la paix avec le Seigneur. Il faut s'investir pour le royaume, il faut s'investir pour la vie éternelle. Quand mon papa est mort là, j'ai pleuré, c'était un peu après, mais quand il est parti, je l'ai vu partir. Vous voyez, en fait, ils ont compris que la solution, tout ce qu'ils ont, tous les moyens humains que mon papa avait utilisé avec ma maman, tout ça, ça n'a pas marché. Ça n'avait pas marché. Mais on était toujours patient. On était toujours patient. Un moment, mon père avait besoin de la transfusion sanguine, tout ça, parce qu'il n'avait plus de sang, tout ça, ils avaient besoin, tout ça. C'était, donc un moment, je faisais comprendre à mon père que voilà, il y a le sang précieux justement aussi de l'agneau qui a coulé pour toi, papa. Le sang qui a coulé pour toi, pour te pardonner. Mon père écoutait, vraiment, il écoutait vraiment l'évangile, il écoutait. J'ai dit, le sang de l'agneau a coulé pour toi, pour ton salut, pour le pardon de tes péchés, papa. Pour le pardon de tes péchés. C'est possible. Tu peux être sauvé par la grâce. C'est possible. Tu peux faire la paix avec ton Créateur. Peu importe la vie que tu as menée, ne regarde plus en arrière. Regarde à la croix. Il m'écoutait. Il écoutait. Le Seigneur a disposé. Et ce n'est pas un hasard si le Seigneur a permis que je sois là, que moi-même je vois, je sois là à ces derniers instants. Le Seigneur, c'était pas un hasard. Hein? Le Seigneur a permis que je sois là avec un frère et sa femme, tout ça. Il a permis qu'on soit là. Certainement, il y avait des choses que le Seigneur voulait dire à mon papa avant son départ éternel. Et vous voyez, frères et sœurs, tout le monde n'aura pas forcément cette chance-là. Il y a des gens qui meurent subitement, tac, c'est fini, mais il y en a d'autres. Voilà pourquoi c'est le moment. N'attends pas d'être malade, d'être souffrant pour faire la paix avec le Seigneur. Non, n'attends pas. C'est le moment. Donc j'avais la paix. Quand mon père est parti, j'avais la paix. La paix pourquoi? Parce qu'il est sauvé. Le Seigneur l'a sauvé. Parce que le Seigneur l'a sauvé. Le Seigneur nous disait de l'arracher toutes les idoles qu'il avait sur lui là. Tout, on a tout coupé, tout. Devant ma mère, elle regardait. On a tout coupé. Et on a béni le Seigneur. On a béni le Seigneur pour son salut. On a béni le Seigneur pour son salut parce qu'il a beaucoup souffert dans la maladie, tout ça. On a béni le Seigneur, on a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. On a bien voulu qu'il soit en vie. On a bien voulu qu'il soit en vie pour continuer à parler de l'évangile, pour témoigner, tout ça. Mais le Seigneur n'a pas voulu, n'a pas permis. Mais nous bénissons le Seigneur. C'est sa volonté. Le Seigneur a permis qu'il soit enlevé. Il a permis qu'il soit enlevé. Et voilà, nous ne pouvons que bénir le Seigneur. Et je bénis le Seigneur d'avoir été là à ces derniers instants. À ces dernières heures, ces dernières minutes, ces dernières secondes. J'étais là avec un frère et sa femme. On était là. Donc vous voyez que
mes parents, mon papa qui était dans, voilà, qui c'était juste ce témoignage. Je vous fais ce témoignage pour que vous voyez combien de fois Satan, le père du mensonge, il trompe les gens. Vous allez de tradit praticien en tradit praticien, de marabout en marabout, tout ça pour chercher la solution, pour ceci, tout ça, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Ce jour-là, Satan avait abandonné mon papa. Mon papa était livré à lui-même maintenant. Il était livré. Et nous maintenant qui avons fait la paix avec le Seigneur, nous qui étions convertis, mais on a présenté le salut. Donc si le Seigneur t'a mis dans ta famille, c'est pour présenter aussi le salut. C'est pour présenter le salut. Nous sommes là. Le Seigneur veut se servir de nous pour le salut des âmes. Donc sache que si tu as des protections sur toi, si tu as des statues à la maison, des idoles à la maison, sache que toutes ces choses ne pourront pas te protéger. C'est du mensonge, ça ne pourra pas te protéger. Celui qui peut te protéger, c'est le Créateur. Jésus-Christ seul peut te protéger. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est lui seul qui peut nous protéger, c'est lui seul qui peut nous garder. C'est lui seul. Lorsque nous marchons, nous sommes environnés, il y a des anges qui nous gardent, qui veillent sur nous aussi. Le Seigneur a dépêché son armée d'anges pour te garder. Vous savez, dans Matthieu, la Bible dit que lorsque les gens ont attaqué le Seigneur a dit à Pierre, il a dit à ses disciples, il dit, mais vous pensez que moi, je ne pourrais pas dépêcher toute une légion d'anges, plus de 12 légions d'anges, pour venir à mon secours? Le Seigneur savait qu'il pouvait dépêcher des anges pour venir à son secours, mais il ne l'a pas fait. Donc, il y avait des anges qui l'environnaient, qui le gardaient. Il y avait des anges à son service, des anges même guerriers qui étaient prêts à détruire ses ennemis. Mais le Seigneur n'a pas agi par amour. Il a dit à ses disciples, mais vous pensez que moi, je ne peux pas appeler plus de 12 légions d'anges en ce moment-là? Vous pensez que je ne peux pas appeler plus de 12 légions d'anges? Mais si je les appelle, là, la parole ne pourra pas s'accomplir. Donc, vous voyez que c'est ça. C'est le Seigneur qui nous garde. C'est lui notre protection. Donc, si tu as des idoles à la maison, si tu as des images, tu as des autels, tu as des statues, tout ça chez toi, il faut savoir que ces choses ne peuvent pas te protéger. Il faut les jeter. Il ne faut pas avoir peur en disant que si je vais jeter ces choses-là, je vais mourir. Non, tu ne vas pas mourir. Si tu mets ta foi en Jésus-Christ, tu dis Seigneur. Pendant des années, j'ai adoré ces idoles-là, j'ai adoré ces statues, les dieux de mes pères. Seigneur, aujourd'hui, je veux faire la paix avec toi. Aujourd'hui, je veux me tourner vers toi, Seigneur. Je veux saisir ta main. J'ai entendu ta parole, je veux saisir ta main. Le Seigneur va te dire maintenant, prends toutes ces idoles-là, va les jeter, va brûler. Et ne crains rien. Parce que quand tu as peur, en ayant peur, c'est comme si tu donnais un pouvoir à Satan. Satan, en fait, Satan, c'est un ennemi vaincu. Il ne faut pas avoir peur de jeter tes idoles-là, les trucs que tu as autour des reins, là, les protections, tout ça. Il ne faut pas avoir peur, les chapelets que tu portes là. Coupe ça, va jeter toutes ces choses-là, tout ça. Va jeter tout ça. N'aie pas peur, va jeter. Rien ne t'arrivera. Si réellement tu veux faire la paix avec le Seigneur, rien ne t'arrivera. Ça va peut-être te paraître étrange, ça va peut-être te paraître mal hein, de prier le Dieu sans support visible. Tu vas trouver ça bizarre, mais je n'ai plus de support, comment je vais faire? Mais tu n'as plus besoin de support. Tu n'auras plus besoin de support. Tu auras simplement besoin de ta bouche pour adorer ton Créateur. Tu auras simplement besoin de tes mains pour les lever. Tu auras simplement besoin de... En fait, tu auras besoin de ton être entier tout simplement pour l'adorer. Donc, ton Créateur ne veut pas que tu utilises des images pour l'adorer. Il ne veut pas que tu utilises des images pour l'adorer. Les vrais adorateurs, si tu es un vrai adorateur, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Donc, n'adore plus ton grand-père qui est mort, n'adore plus ton arrière-grand-père, tes ancêtres, tout ça qui sont morts. Ne les adore plus. Ne cherche pas à soi-disant à peser, je vais peser la colère des ancêtres, je vais faire ceci. Non, ça ne sert à rien. Ne va plus à la mer aller jeter des objets, jeter des choses, faire des plats, donner de la nourriture, tout ça, faire des offrandes aux divinités. Ça ne sert plus à rien. Ne va plus le faire. Satan te trompe. Quand tu le fais, tu provoques la colère du Créateur, la colère. Il n'aime pas ces choses. Ne faites plus de Toussaint. Tu vas au cimetière, tu fais le cimetière, la tombe de ton grand-père devient comme une table à manger où tu as déposé de la nourriture dessus. Ça ne sert à rien. Tu es en train d'attirer les esprits de mort, tout ça. Ça ne sert à rien. Ne célèbre plus de Toussaint, ne célèbre plus des fêtes, des requiem. Tout ça ne sert à rien. La solution, c'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui a payé le prix. Il veut faire de toi un véritable adorateur. Et il dit, les vrais adorateurs m'adoreront
en esprit et en vérité. Il dit, ce n'est ni à Jérusalem, ni en Samarie, ni à n'importe quel lieu, ce n'est pas à Lourdes, ce n'est pas au Vatican, ce n'est pas, je ne sais pas dans quel endroit que vous allez adorer le Père. Il dit, les vrais adorateurs m'adorent en esprit et en vérité. Parce qu'il faut savoir que lorsque tu vas mourir, tu vas laisser toutes les idoles. Tu vas laisser toutes tes idoles, toutes tes grilleries, tout ça. Et là, tu seras maintenant face à ton Créateur. Les idoles, là, tout ça, ça va rester. Pourquoi les idoles ne vous donnent pas la vie éternelle? Pourquoi les idoles ne vous donnent pas le salut éternel? Tout ça, ça ne sert à rien. Et même si tu dis que moi, j'ai mes idoles quand je suis malade, je suis guéri. Mais il faut savoir que c'est le mensonge. Tu es guéri physiquement, mais ton âme n'est pas guérie. Le Seigneur est venu te guérir spirituellement. Satan peut te guérir physiquement, mais pas spirituellement. Parce que la véritable maladie, c'est le péché. C'est une maladie incurable que seul le Seigneur est capable de guérir, le péché. C'est une maladie incurable. Seul le Seigneur est capable de nous guérir de cette maladie, le péché. Voilà pourquoi il faut regarder à la croix. Il faut regarder à la croix du calvaire. Donc, tous ceux qui sont dans ces pratiques-là, ces cultes des morts, ces cultes des ancêtres, l'animisme, toutes ces religions païennes-là, c'est vraiment un grand danger. C'est un grand danger. Et faites aussi attention au mouvement panafricaniste. Vous voyez, le mouvement, vous savez, quand on parle du... Je vais juste faire un point dessus. Quand on parle du panafricanisme, c'est un mouvement... Vous savez, le panafricanisme, c'est vrai que ça mène les gens à se rattacher à l'Afrique. Ça parle de l'Afrique. Ça parle aussi de l'histoire de l'Afrique. Ça nous donne de comprendre aussi beaucoup de choses un peu sur le plan historique concernant l'Afrique. C'est vrai. Mais il y a un danger parce que c'est aussi un mouvement de pensée. Ouais, c'est aussi un mouvement de pensée qui pousse même les gens à... ça pousse les gens à revenir au culte des ancêtres, hein, surtout les Noirs, les Africains. C'est ça le danger. Ça pousse les gens à revenir au culte des ancêtres. Et il y a un esprit d'antichrist dans le panafricanisme parce qu'on rejette tout ce qui est de la Bible. Voilà, on fait croire que la Bible, ça vient de l'Occident, alors que ça ne vient même pas de l'Occident. Oh, la Bible, ça vient de l'Occident, tout ça, c'est la colonisation, tout ça, c'est le christianisme est venu en Afrique, c'est la colonisation, tout ça. Mais oui, le christianisme, oui, ok, c'est la colonisation qui a amené le christianisme, ok. Mais il faut savoir que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu à porter le christianisme. Jésus-Christ n'est pas venu fonder une religion qu'on appelle le christianisme. Même si les colons ont amené en Afrique le christianisme, tout ça, par les missions qu'ils faisaient, tout ça, ok. Ok, mais il faut savoir que si vous cherchez dans toute la Bible, vous ne trouverez pas le mot christianisme. Voilà, donc Jésus n'est pas, le Seigneur n'est pas venu créer une nouvelle religion appelée le christianisme. Il n'est pas venu à créer une nouvelle religion. Le christianisme, c'est une religion créée par l'empereur romain Constantin. Tout ça là, ça vient de Constantin. Ça vient du concile de Nicée en l'an 325. Voilà, tout ça, c'est le christianisme. Et vous voyez que ce système-là, c'est étranger à la Bible. Voilà. Et dans le christianisme, il y a les fêtes païennes. Dans le christianisme, il y a l'ordination. Dans le christianisme, il y a les vêtements sacerdotaux. Il y a les constructions des grands temples, les cathédrales, tout ça. C'est tout ça, le christianisme. Alors que le Seigneur, Yeshua Mashiach, le Créateur, il n'est pas venu sur terre pour bâtir le christianisme. Il est venu bâtir son Église. Donc, quand on dit que ce sont les colons qui ont amené le christianisme en Afrique, ok, ça c'est votre façon de voir les choses, votre façon de penser, vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Mais j'aimerais dire à toutes ces personnes que Jésus-Christ n'est pas venu sur terre pour bâtir le christianisme. Il est venu bâtir son église. Il a dit « je bâtirai mon église ». Il n'a pas dit « je bâtirai le christianisme ». Et l'évangile n'est pas venu en Afrique par... c'est pas les colons qui ont... les colonisateurs, tout ça, qui ont amené l'évangile en Afrique. Il faut faire attention. C'est pas les colonisateurs qui ont amené l'évangile en Afrique. L'évangile est arrivé depuis longtemps. C'est pas à la colonisation que l'évangile est arrivé en Afrique. L'évangile est arrivé en Afrique depuis longtemps. Ça remonte. Si vous lisez même dans Actes chapitre 2, lorsque l'esprit du Seigneur est descendu pendant la Pentecôte, les gens étaient dispersés. Ils sont allés partout prêcher la parole. Partout. Il y en a qui sont venus jusqu'en Afrique. L'évangile est venu tout ça depuis longtemps. C'est pas les colons, les colonisateurs occidentaux, tout ça, qui sont venus, nous, comme si on ne connaissait pas. Non, quand les colonisateurs sont arrivés en Afrique, l'évangile était déjà là. Quand les colonisateurs sont venus apporter le christianisme, le message du salut était déjà en Afrique, était déjà venu en Afrique avant même que les colonisateurs ne viennent. Quand l'esprit du Seigneur est descendu là. Les gens ont été dispersés, ils sont allés partout pour prêcher l'évangile. Ils sont allés partout. Donc le message, c'est le Seigneur qui a envoyé lui-même l'évangile partout en Afrique. C'est le Seigneur lui-même.
C'est le Seigneur même qui a envoyé sa parole en Afrique. Voilà. Il a envoyé sa parole en Afrique, partout dans le monde entier, pour que les gens entendent le message de l'évangile et soient sauvés. Voilà, parce que la Bible nous dit que le Seigneur a laissé autrefois les nations suivre leur propre voie, chacun adorer son Dieu, tout ça. Et l'évangile est venu pour présenter l'Élohim véritable. L'Élohim véritable. L'apôtre Paul a dit, lorsqu'il était à Athènes, il a dit à tous ces philosophes-là, je suis venu vous présenter l'Élohim véritable. L'apôtre Paul, se trouvant à Athènes pour annoncer l'évangile, a été frappé par les pratiques religieuses des Athéniens. Athéniens, à tous égards, vous êtes, je le vois, les plus religieux des hommes. Tandis que je parcourais votre ville en considérant tous vos monuments sacrés, j'ai trouvé parmi eux un autel avec l'inscription « Au Dieu inconnu ». Et à partir de là, il leur annonça le seul et véritable Elohim, Yeshua HaMashiach. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est lui que je vous annonce. L'Elohim qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Et il n'est pas servi par les mains humaines comme s'il avait besoin de quelque chose, lui qui donne à tous la vie et la respiration et toutes choses. Et il a fait habiter sur toute la face de la terre toute nation d'humains sortis d'un seul sang, ayant déterminé les temps définis d'avance et les bornes de leur habitation pour chercher le Seigneur, pour voir si en le cherchant en tâtons, ils le trouveraient quoi qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car c'est par lui que nous vivons, que nous nous mouvons et que nous sommes. C'est ce qu'ont dit quelques-uns de vos poètes. Car nous sommes aussi de sa race. Étant donc de la race d'Élohim, nous ne devons pas penser que le divin soit semblable à de l'or, à de l'argent ou de la pierre sculptée par l'art et la pensée des humains. Élohim, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc le mouvement comme le panafricanisme là, c'est aussi quelque part un danger parce que l'un des objectifs de ce mouvement là, c'est de revenir au culte des ancêtres. Voilà, c'est l'un des objectifs du panafricanisme. Voilà pourquoi il y a des religions comme le kémitisme, les kémites, tout ça là, toutes ces religions là, tout ça c'est voilà, ils adorent toutes ces idoles païennes. Voilà, parce que quand on parle du panafricanisme, même, c'est un mouvement de pensée. C'est-à-dire, ils ont une façon de penser. Ils ont une façon de voir les choses, une façon... Tout ce qui est de la Bible, voilà, ils refusent tout ce qui est de la Bible. Tout est centré, c'est un mouvement qui est centré uniquement sur l'Afrique. Et Cheikh Anta Diop le disait même, hein, c'est vrai qu'il a fait... c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches, qui a dit, beaucoup de vérités un peu sur l'histoire de l'Afrique, c'est vrai. Mais il y a un danger dans ce qu'il a dit, dans certaines choses qu'il disait. Il disait que puisque nos ancêtres, les premiers ancêtres étaient des pharaons, ils dirigeaient le monde, puisque ce sont eux qui ont construit les pyramides et puisque c'est eux qui sont à l'origine des civilisations contemporaines, certainement leur mouvement de pensée, leur foi devait être la bonne. Donc vous voyez, il faisait comprendre que bon, puisque nos premiers ancêtres, tout ça c'était des pharaons, c'est eux qui dirigeaient le monde, c'est eux qui ont fait ceci, qui ont construit des pyramides, donc ça veut dire que les Elohim qu'ils adoraient là, donc certainement c'était des bons, c'était eux les vrais. Vous voyez le danger? Donc ils se disent que bon, donc certainement les Elohim qu'ils adoraient là, les dieux qu'ils adoraient là, ce sont ces dieux-là que nous devons adorer. Donc vous voyez que le mouvement panafricanisme là, ben ça veut faire revenir les gens à leur croyance. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'auteurs africains qui ont poussé les gens ou qui poussent les gens à revenir justement à leur croyance ancestrale. Voilà, pour eux, il faut adorer Osiris, il faut adorer Isis, il faut adorer Horus. Donc, ils veulent que beaucoup de religions, surtout des religions africaines là, soient basées sur la leur. Voilà, ils veulent que beaucoup de religions africaines soient basées sur les religions ancestrales. Et c'est là justement l'un des objectifs du panafricanisme, toutes ces spiritualités africaines-là. Ils veulent pousser les Africains justement à adorer les dieux égyptiens. Il y en a qui ont commencé à adorer les dieux égyptiens, pensant que ce sont les vrais dieux, tout ça. Bon, ils sont libres, les gens sont libres hein, de faire ce qu'ils veulent. Mais sachez une chose, c'est que la Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui nous a été donné pour être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ seul qui sauve.
C'est son nom. Il y a plus le salut. Il y a plus de salut en aucun autre nom. Que les gens le veuillent ou pas, c'est la vérité. Horus, Isis, tout ça que tu adores là, quand tu vas mourir là, c'est pas eux qui vont te ressusciter. Hein. Quand tu vas mourir là, tout ça, tu auras des comptes à rendre à ton Créateur. Le Seigneur dit, celui qui croit en moi ne sera point jugé. Celui qui ne croit pas en moi est déjà jugé. Le Seigneur dit que celui qui ne croit pas en moi, celui qui croit en moi est passé de la mort à la vie. Il ne vient pas en jugement. Donc le Seigneur a le pouvoir de juger. C'est lui que vous allez rencontrer. Même si vous dites, oh, ce sont des faux Elohim, oh, Jésus-Christ, c'est une invention, tout ça, Yeshua, Mashiach, tout ça, c'est du mensonge. Ok, le Seigneur laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Hein. Il laisse. Mais ce jour-là, la Bible dit, tout genou fléchira et toute langue confessera. Toute langue. Donc, si tu le refuses aujourd'hui, sache qu'un jour, tu te prosterneras devant lui. Hein. Tu flécheras les genoux. Ah oui, tu flécheras les genoux, il sera trop tard, certainement. Et malheureusement, il y en a même des chrétiens, je dirais des soi-disant chrétiens, voilà, qui disent de préserver qui parlent de ce qu'on appelle, ils parlent de la préservation des valeurs ancestrales. Vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens même qui parlent de, il faut préserver les valeurs ancestrales avec les principes du Créateur, les principes de Dieu. Vous voyez que là, il y a un problème. La Bible dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Mashiach. Donc faisons attention parce qu'il y a beaucoup de courants religieux, beaucoup de courants sataniques qui veulent détourner les gens du Créateur. Beaucoup de mouvements qui veulent vous amener à... qui veulent vous tourner vers les religions païennes de l'Antiquité africaine, des religions tout ça ancestrales. Tout ça, faites vraiment attention. Faites vraiment attention parce qu'on est vraiment à la fin. Et Colossiens, l'apôtre Paul avait bien averti les Colossiens, il a dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut même faire de vous, quelqu'un peut faire de vous sa proie. Il y en a qui sont devenus des proies, c'est-à-dire des mouvements de pensée. Il y en a qui sont devenus des proies du kémitisme, les kémites là. Ils sont devenus des proies, c'est-à-dire ils sont captivés. Il y en a qui sont devenus des proies de beaucoup de choses, des fausses doctrines, des proies. Donc vous voyez, voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes. Vous voyez, sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Vous voyez, donc tout doit s'appuyer sur Christ. Tout doit s'appuyer sur Christ. Tout doit s'appuyer sur Yeshua Mashiach. Tout doit être centré sur lui. Tout doit être centré sur lui. Voilà pourquoi l'évangile, c'est la mort et la résurrection de Yeshua Mashiach, de Jésus-Christ. L'évangile, c'est ça. C'est la puissance de la croix. L'évangile, c'est lui qui est au centre. Tout doit être centré sur lui. Donc, quand on vient te parler des choses qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ, qui n'ont rien à voir avec lui, il faut rejeter ça. Il faut rejeter ça. Là, on vient te dire que Jésus, c'est une créature, c'est pas le créateur, il est comme... Non, c'est pas la peine. Il est le créateur de toutes choses. Il est le tout-puissant. Il est l'aleph et le tav, l'alpha et l'oméga. C'est lui le centre. C'est lui le créateur de toutes choses. Donc, si on vient te dire que ce n'est pas le créateur, c'est une créature, c'est Jésus, ce n'est qu'un prophète, tout ça, il faut savoir que c'est l'esprit d'Antichrist. Jésus-Christ est le rocher des âges. Il est le rocher des âges. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le tout-puissant. Donc, tous ces mouvements-là, il y a beaucoup de mouvements, tout ça, ben, qui préparent. Ben, la venue qui prépare le chemin de l'Antichrist. Voilà pourquoi il y a beaucoup de mouvements qui poussent les gens à ne pas adorer le Seigneur. On se moque de lui, on traite le Seigneur de tous les noms, tout ça. Donc il y a l'esprit d'Antichrist qui travaille déjà. La Bible dit justement qu'avant le retour de Christ, il y aura des anti-machias, des antichrists qui vont préparer la voie. Voilà. Et pour préparer la voie à l'Antichrist, il faut rejeter tout ce qui est de Jésus-Christ, tout ce qui est de lui. Voilà pourquoi les gens rejettent tout ce qui est du Seigneur, on ne veut pas entendre parler de lui. Quand tu parles de Jésus-Christ, de lui, tout ça, on te prend pour un aliéné, on te prend pour un colonisé, on te prend pour vraiment un égaré, tout ça. Moi, j'ai déjà subi tous ces qualificatifs-là. Il y en a qui m'ont déjà traité de, voilà, toutes sortes de noms, d'égarés, il y a des commentaires, souvent qu'on est obligé de supprimer, hein, beaucoup de commentaires qu'on supprime. Les gens, parfois, ont la haine, hein, quand vous présentez le Seigneur. Il y a des gens même qui vous écrivent en privé, là, en mail, tout ça, mais c'est des injures, c'est des menaces, c'est des choses terribles. Vous voyez comment il y a l'esprit antichrist qui ne sont pas d'accord, c'est terrible. Et si vous voyez même qu'on est toujours debout, on continue à prêcher l'évangile, on continue à défendre l'évangile, c'est vraiment parce qu'on fait confiance au Seigneur. Hein. Mais sans ça, on aurait même fermé déjà cette chaîne-là pour vivre notre vie tranquille, quoi. Parce que souvent, il y a des menaces, souvent, il y a des pressions, des persécutions, c'est terrible, on te traite de tous les noms. Tout ça, c'est terrible. Hein?
Honte à toi, tout ça, machin, tu es garé, tu es ceci, tu es machin, montre ton visage, tout ça. On te demande même de montrer ton visage. Oh, c'est nouveau, c'est ça l'esprit d'Antichrist. Hein? L'esprit d'Antichrist travaille. Quand vous venez provoquer, déranger ces entités-là, c'est une guerre. Mais le Seigneur est plus que vainqueur. Hein? Voilà, et la Bible nous dit hein, que petits enfants, c'est la dernière heure. Et quand vous avez appris qu'un Antichrist vient, il y a maintenant plusieurs. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc, il y a plusieurs Antichrist. Avant que l'Antichrist ne vienne, il y a l'esprit d'Antichrist qui agit déjà. Son esprit travaille déjà dans chez beaucoup de personnes, l'esprit d'Antichrist. L'esprit d'Antichrist travaille déjà. Hein? L'esprit d'Antichrist travaille même dans beaucoup de ceux qu'on appelle beaucoup de panafricanistes là même. Beaucoup qui sont suivis là, sur les réseaux là, tout ça. Il y a l'esprit d'Antichrist qui agit déjà. Souvent, quand vous écoutez leurs interventions, leurs discours concernant tout ce qui est, par exemple, de la Bible, là, mais vous êtes choqués, vous allez comprendre qu'il y a un esprit d'Antichrist. Certains de ces panafricanistes qui sont très suivis sur les réseaux sociaux, là, ben, c'est vraiment, ils dénigrent vraiment Jésus-Christ, quoi. Ils le dénigrent, ils dénigrent la Bible, tout ça. Pour eux, la Bible, c'est vraiment à jeter. Il faut revenir à nos traditions, il faut revenir à nos adorer nos ancêtres, adorer les crânes, adorer tout ça. Et c'est ça. C'est le message qui est beaucoup véhiculé. Vous voyez que c'est l'esprit d'Antichrist. Hein? L'esprit, et Satan se sert beaucoup aussi des réseaux sociaux pour véhiculer justement cet esprit-là. Voilà, pour pousser les gens à adorer d'autres dieux, tout ça. Il y a une séduction terrible. Voilà, donc vous voyez que même beaucoup des leaders panafricanistes là, ben, ce sont vraiment des instruments aussi que ben, le diable utilise pour véhiculer aussi ben, des fausses croyances. Voilà, des croyances ancestrales, des croyances des faux dieux, tout ça. C'est ça, voilà. Donc, il y en a qui vous font comprendre que, ouais, mais Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, il appartient aux Juifs, c'est l'Elohim d'Israël, c'est pour les Juifs, c'est pas pour nous les Africains. Mais excusez-moi, mais Jésus-Christ est venu pour sauver. Quiconque croit en lui est sauvé. Quiconque. La Bible dit que quiconque, que tu sois africain, européen, asiatique, quiconque met sa foi en Jésus-Christ est sauvé. Voilà, il est venu pour sauver. Il est venu pour sauver, il est venu pour nous sauver, il est venu pour nous donner la vie éternelle. Et il va bientôt revenir, il va bientôt revenir. Donc, c'est le moment de se repentir. Donc, vraiment que le Seigneur délivre toutes ces personnes, hein, c'est ma prière. Voilà, si tu écoutes cet enseignement et tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, ben c'est le moment. C'est le moment. Voilà, donc il faut rejeter tout ce qui est tout ce qui est du paganisme. Il faut rejeter, voilà, toutes ces choses qui ne glorifient pas le Créateur. Vous avez aussi la canonisation hein, dans le catholicisme. Hein, tout ce qui est canonisation, là, ce sont des pratiques, des pratiques païennes. Voilà, on ne canonise, la Bible ne parle pas de canonisation, vous voyez. Donc la canonisation qu'on voit dans l'Église, le catholicisme là, c'est vraiment le Créateur est contre ça. Parce que quand on parle de la canonisation, c'est lorsque le pape déclare qu'un culte public, maintenant, il peut être accordé à un défunt. Donc il déclare qu'on peut adorer maintenant telle personne, c'est ça la canonisation. Par exemple Jean-Paul II. Qui est mort, on l'a enterré, tout ça, et maintenant le nouveau pape vient faire ce qu'on appelle la canonisation, c'est-à-dire il vient dire à tout le monde que ben, vous pouvez déjà l'adorer, vous pouvez aussi l'adorer. Donc on le canonise. Voilà, donc c'est vraiment un acte solennel. Et pendant cet acte-là, justement, le pape, il déclare maintenant qu'un culte, public peut être accordé à tel mort. Vous voyez, c'est grave. Donc vraiment, il faut vraiment sortir de tout ça. C'est grave. Alors que la Bible nous dit, si vous lisez Lévitique chapitre 20, la Bible dit que si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. Vous voyez, donc le Seigneur fait comprendre, le Créateur fait comprendre que si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Donc le Seigneur tourne sa face contre toutes ces personnes qui s'adressent aux morts, aux esprits. Quand tu t'adresses aux morts, tu t'adresses aux esprits, il faut savoir que la colère du Créateur est sur toi. Sa colère est sur toi parce qu'il est contre cela. Il n'aime pas cela. Il ne veut pas que les gens adorent les esprits, tout ça. Comme on voit dans les temples traditionnels, là, ils font des nuits, tout ça, des veillées, tout ça. Ils parlent aux esprits, tout ça. Il y en a même qui meurent dans ces rites initiatique là. Donc le Seigneur est contre ça, le Créateur, celui qui t'a créé, il est contre ça. Il dit si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, non, faut pas faire ça.
Même pendant les enterrements, ce qu'on appelle l'oraison funèbre, là. On enterre, on met quelqu'un, ton parent dans la tombe, tu es là en train de parler à la tombe, au cercueil, tu es en train de parler aux morts. Oh non, ceci, tu es en train de faire un discours, tout ça. Fais attention. Tu attires, ça c'est la colère du Créateur qu'il a. Faites attention aux oraisons funèbres. On enterre avant de mettre le cercueil sous la tête, tu es en train de parler aux morts. Oh non, vraiment, ceci, pense à nous, là où tu vas. Vraiment, tu sais, voilà. Mais tu es en train de parler à un esprit de mort. Donc faites attention. Faites attention à toutes ces choses. Vous voyez, tout ça, c'est ça, là. C'est ça qui attire la colère du Créateur. Les retraits de deuil, tout ça. Là. Non, il ne faut pas assister aux retraits de deuil. Il ne faut même pas participer à ça, soi-disant, tu envoies de l'argent. Non, il ne faut pas participer à ça. Il y en a même quand ils vont dans des deuils, là, ils mettent les tenues noires, tout ça, tout le monde habillé en noir. Tu ne sais pas c'est quoi l'origine, tout ça. Faites attention, il y a même dans des tenues là, qu'ils portent là, pendant les deuils, là, dans les spiritualités africaines. Là. Pendant les deuils, là, tout ça, là, c'est pas les gens ne font pas des choses par hasard. Hein. Il y a toujours un message derrière. C'est des codes. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand tu vas à un enterrement, un deuil, tout ça, quelqu'un est décédé, tout ça, habille-toi normalement. Ne mets pas forcément la tenue que tout le monde, le noir, tout ça. Tout ça, c'est... Faites attention. Hein. Il y a beaucoup de choses derrière, beaucoup de choses. Moi, je me souviens quand mon père est décédé... Pendant les funérailles, tout ça, là, il y a une dame, une personne de la famille qui est venue me voir. Elle me dit, non, faut venir prendre ton pied et mettre ça sur le cercueil. Tu poses ton pied sur le cercueil. J'ai dit, quoi? C'est quoi cette affaire-là? Oh, je bénis le Seigneur qu'il m'avait déjà, j'étais déjà converti. Hein. Elle me dit, prends ton pied, mets ça sur le cercueil. J'ai dit, quoi? C'est elle qui va maintenant m'obliger à faire ça? Non, jamais. Jamais. Vous voyez, il y a tellement de choses souvent comme ça qu'on va vous demander de faire, hein. Si tu n'es pas enraciné là, mais tu vas aller faire des choses, tu vas t'attraper des esprits bizarres. Moi, je prends mon pied là, je vais mettre ça sur le cercueil. Pourquoi? C'est moi, je ne sais pas, la prochaine victime ou bien. Ah, faut arrêter ça. Oh, prends ton pied, mets ça sur le cercueil. Comment ça? J'ai dit non, c'est pas que jamais, jamais. Prends ton pied, mets sur le cercueil. Prends ton pied, mets sur le cercueil. Fais telle chose. J'ai dit, ah, vous voyez, c'est ça. Hein? C'est ce qui se passe. Donc, il y a beaucoup de choses. On va vous dire, bon, ton mari est mort, là, toi, la femme, pourtant, tu es converti. On va te dire, bon, il faut raser la tête. Il faut raser la tête, tout ça. On fait ça en Afrique, hein, l'étude de veuvage, là. Il faut raser la tête, tout ça. Et puis, on prend tes cheveux. Tu ne sais pas où on amène ça. Toi aussi, Bref, il y a beaucoup de choses. Si ton mari est décédé, ben, voilà, c'est fini. Il est parti. Voilà, c'est une autre vie que tu reprends. Et puis, bon, voilà, si tu as le Seigneur, c'est lui qui te garde. Il est le père des veuves, des orphelins, tout ça. C'est lui qui te garde. Maintenant, on va te dire, c'est souvent ce qui se passe dans beaucoup de décès, hein, surtout en Afrique. Voilà pourquoi quand tu as le Seigneur, là, il faut vraiment prendre position. Hein, faut être ferme. Faut être ferme, là. Sinon, tu vas te laisser embarquer. Hein. On va te dire, il faut raser la tête. Après, on prend tes cheveux. Tu ne sais pas quelqu'un, tu ne sais pas qui a pris tes cheveux. On te rase la tête, on te fait ci, on te fait ça, tout ça, tout ça. Après, tu dors chez toi, tu commences à avoir des attaques bizarres, des cauchemars, des choses. Il y a tellement de choses. Faisons très attention, il y a trop de sorcellerie dans ce monde, trop de choses dans la spiritualité africaine, beaucoup de sorcellerie, beaucoup de choses bizarres. Voilà pourquoi la sécurité est en Jésus-Christ. La sécurité est en Jésus-Christ. Moi, quand on a enterré mon père, là, c'est fini. On allait l'enterrer dans notre village là-bas, on l'a enterré, tac, c'est fini, je suis rentré sur Libreville, et puis tac, c'est fini, j'ai tourné la page. Et puis bon, voilà, c'est pour moi, j'ai vu comment il est parti, le Seigneur l'a sauvé, je bénis le Seigneur, c'est fini. C'est fini. Je ne vais pas maintenant aller chaque 8 avril, la date qu'il est mort, là, je vais maintenant devant sa tombe à chaque fois, me prosterner devant sa tombe, faire... Non, c'est fini, c'est fini. Dans la tombe là-bas, il n'y a que les os, les ossements, c'est fini. Il n'y a plus rien là-bas, là, c'est fini. Je vais aller maintenant chaque année, voilà, au papa, tout ça, machin, je vais me prosterner, tout ça. Non, 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 ça, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Moi, je prépare mon éternité. Je prépare à rencontrer aussi le Seigneur. Parce que là, chacun doit sauver sa peau maintenant. Voilà, si une personne est partie les sauver, ben, toi qui restes sur terre là, ben, tu as encore du chemin. Donc, c'est le moment maintenant de préparer son éternité. C'est le moment de préparer son éternité. Donc, voilà. Donc, quand on enterre ton parent là, c'est fini. Le reste du cérémonial là, c'est fini. Tu as encore chaque année, machin, messe des requiem. Vous allez même voir que ceux qui font les messes des requiem, là, à un moment, ils vont se fatiguer. Après 5 ans, bon, c'est fini. Vous allez vous rendre compte que, bon, ça sert à rien. C'est fini. C'est fini. Vous savez, quand une personne meurt là, après un mois ou plus, c'est fini. On t'a oublié. Hein? C'est fini, là. Tu te retrouves tout seul là-bas, devant ton Créateur. Hein? Voilà, pour rendre compte. Voilà, donc faisons vraiment attention à toutes ces choses. Voilà, j'avais à cœur de partager sur tout ça, sur toutes ces choses, sur la spiritualité africaine, le culte des ancêtres, l'animisme, tout ça, vraiment pour que le Seigneur délivre, hein, voilà, beaucoup de personnes et vous montrer aussi les réalités des ténèbres par rapport à ces choses. Voilà, ce sont vraiment des entités, hein.
Voilà, c'est des dominations, en fait. C'est des esprits, tout ça, méchants dans les lieux célestes. C'est des dominations qui tiennent des pays, qui tiennent des vies, tout ça. Donc, la solution, c'est d'être dans le Seigneur pour être délivré de ces choses. Donc, ne condamnons pas toutes ces personnes qui sont dans ces pratiques. On n'est pas là pour les condamner, mais on est là pour leur apporter le message de l'Évangile qui est ce seul message qui peut libérer. Voilà, ayons de l'amour pour ces personnes. Le Seigneur les aime, il veut les sauver. Il ne veut pas que les hommes soient perdus. Il veut les sauver. Voilà, donc je te conseille d'arrêter la prière pour les morts et de venir vers le Seigneur, tout simplement. Voilà, le Seigneur t'aime, il est venu te sauver. Le Seigneur a vu que nous étions égarés, justement. Voilà pourquoi il est venu sur la terre. Parce qu'il a vu que nous sommes égarés, nous adorons des faux Elohim, des faux dieux, tout ça. Donc il est venu, c'est pour nous sauver, c'est pour nous donner la vie éternelle. Voilà, il est venu pour te rendre libre. Voilà, pour te rendre libre. Le Seigneur ne veut pas ces choses. Et c'est toutes ces pratiques-là, les cultes des morts, toutes ces spiritualités sataniques-là, tout ça, c'était, si vous lisez même dans Deutéronome, c'était des choses que le Seigneur ne voulait même pas que les enfants d'Israël pratiquent. Il dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, Yahweh, ton Elohim te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Vous voyez, donc le Seigneur dit que ce sont des abominations. C'est ce que pratiquaient les Cananéens, les autres peuples-là. Ils pratiquaient les cultes aux morts, l'idolâtrie, tout ça à fond. Donc le Seigneur disait aux enfants d'Israël de ne pas imiter. Il disait même ça, Jérémie le dit, il ne faut pas imiter les voies des nations, les coutumes des peuples, tout ça là ne sont que vanité. Il disait aux enfants d'Israël de ne pas imiter. De ne pas imiter les abominations de ces nations-là. Donc, il y a des abominations que beaucoup font. Beaucoup font des abominations. Mais le Seigneur, comme il nous aime, il aime les hommes. Il a dit que sans tenir compte des temps d'ignorance, il appelle les hommes à se repentir. Sans tenir compte des temps d'ignorance, il appelle tous les hommes à se repentir. Et pour finir, on va lire 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 19. Il est dit: nous savons que nous sommes d'Élohim et que le monde entier se tient dans le mal. Mais nous savons que le Fils d'Élohim est venu. Vous voyez, Jésus-Christ est venu. Et il nous a donné l'intelligence, vous voyez, pour connaître le véritable. Donc vous voyez que quand le Seigneur vient, l'un des buts aussi du Seigneur, c'est de nous donner l'intelligence pour connaître le véritable créateur. Parce qu'il y a tellement de faux Elohim, tellement de faux dieux. Les gens sont perdus, les gens adorent tout et n'importe quoi. Donc le Seigneur vient nous donner aussi l'intelligence pour connaître le véritable. En gros, pour le connaître. Parce qu'il y a trop de faux, trop de mensonges. Tout on va te dire, oh, c'est le vrai Dieu. Là-bas, on va te dire, telle religion va dire, non, c'est nous qui avons le vrai Dieu. Tel là-bas, non, c'est nous qui avons le vrai Dieu. Quand le Seigneur, avec toute cette confusion-là, la Bible dit que le Seigneur est aussi venu dans le monde pour nous donner l'intelligence pour connaître le véritable. Et il continue, il dit, et nous sommes dans le véritable. En son fils Yeshua HaMashiach. Donc, en Jésus-Christ, nous sommes dans le véritable. En fait, le véritable créateur, c'est lui. Ce n'est pas Marie, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Krishna, ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Vishnu, ce n'est pas Allah, ce n'est pas... Non, il dit, et nous sommes dans le véritable en son fils Yeshua HaMashiach. C'est lui le véritable. La Bible dit qu'il est le véritable Elohim et la vie éternelle. Donc, pour conclure, le Seigneur nous fait comprendre, Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, il nous fait comprendre que c'est lui le véritable. C'est lui le vrai. C'est lui la vie éternelle. La Bible dit qu'il est le véritable. Et dans Jean chapitre 17, verset 3, la Bible nous dit que le Père est représenté comme le véritable Elohim. Vous voyez, le Père, il est représenté comme le véritable Elohim. Et le terme grec, justement, traduit par véritable là, ou encore, ou traduit par vrai, en fait, dans l'évangile de Jean, c'est aussi appliqué à Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ, en fait, est le vrai Elohim, c'est lui le vrai créateur, c'est lui le tout-puissant en fait, c'est lui. Donc en lui nous sommes dans le véritable. Et voilà pourquoi la Bible finit en disant au verset 21, petits enfants, gardez-vous des idoles. Donc tout le reste là ce sont des idoles, mais Jésus-Christ, il est le véritable. C'est lui qu'il faut adorer, c'est lui qu'il faut aimer, c'est lui. C'est en lui que nous pratiquons le vrai culte, c'est lui le véritable, il est esprit. Et il demeure en nous. Par son esprit, il nous aime. Son amour pour toi est plus grand. La Bible dit que Satan est venu pour égorger, pour détruire. Mais lui, Jésus-Christ, est venu pour apporter la vie, pour donner la vie éternelle, pour nous sauver. Parce qu'il nous aime, il a versé son sang, il a payé un grand prix pour nous racheter. Il a payé un grand prix. Voici celui que je suis venu te présenter. On l'appelle le véritable. On l'appelle le fidèle. Il revient, il est réel
il faut l'expérimenter. Et je prie qu'après avoir écouté ce message, que le Seigneur se révèle à toi. C'est ma prière, qu'il se révèle à toi, qu'il se révèle à toi. Tu ne le connais pas, mais je t'assure et je le prophétise, je le déclare que le Seigneur va se révéler à toi. Si tu ne le connais pas, il va se révéler à toi. Le Seigneur va te rendre libre et je prie que le Seigneur délivre nos familles, nos parents qui sont dans ces pratiques, dans beaucoup de choses, ces prisons. Je prie que le Seigneur délivre, que le Seigneur se souvienne de ton père, de ta mère, de ta soeur, de ton frère, de peu importe ces personnes dans ta famille qui ne le connaissent pas, que le Seigneur se souvienne d'eux. Et qu'avant leur mort, qu'ils puissent faire la paix avec le Créateur. C'est ma prière. Le Seigneur va visiter nos familles, va visiter nos parents, il va libérer nos parents. Nous-mêmes, on sera surpris. On sera surpris. Que le Seigneur soit béni, frères et sœurs. C'était ce que j'avais à cœur de partager. Et je prie que le Seigneur continue de se révéler à chacun de nous. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous équipe, que le Seigneur nous remplisse encore davantage, qu'il fasse de nous ses instruments. Portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt sur Born Again Studio.